La séance est ouverte. Bonsoir. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 153 à l'article 1er. Nous allons commencer dès que le rapporteur sera arrivé. Et donc, je compte les secondes. Je vais suspendre la séance au moment même où je viens de l'ouvrir pour laisser le temps au rapporteur d'arriver. La séance est suspendue. La séance est reprise. Il était moins une minute avant que je n'allève, monsieur le rapporteur, monsieur le président rapporteur. Et donc, nous allons reprendre l'examen de nos amendements. Le premier, le 153, c'est vous qui le présentez. Merci, monsieur le président. D'abord, je vous remercie pour votre patience. Je m'excuse pour mon retard et c'est un amendement de précision. C'est nous qui vous excusons. Le 153, c'est un amendement de précision. Monsieur le ministre, il est favorable. On le vote. Qui est pour ? Contre, adopté. Le 154.
C'est un amendement qui vise à compléter les obligations déclaratives des représentants d'intérêts en obligeant à déclarer un ordre de grandeur concernant la fréquence des... c'est M. Lefebvre. Ça, c'est la durée pour l'inscription. Donc la durée était prévue initialement à 2 mois. La durée est ramenée à 15 jours pour que le registre soit plus coercitif qu'il n'était prévu initialement. Monsieur le ministre. Favorable. Pas de prise de parole. Nous passons au vote qui est pour. Contre. Adopté. Le 16, qui le présente ? C'est Mme Untermaier. Merci, vous monsieur. Le 46, Mme la députée ? Faites une présentation commune ? Oui, bien sûr. Merci. Le 16 avait pour objet en fait de prévoir un enregistrement de l'action de lobbying auprès de la HATVP 1 mois après chaque action de représentation d'intérêt. Vous savez qu'il y a d'abord l'enregistrement, mais ensuite, une fois que l'on a mené une action, on doit l'enregistrer 1 mois après. C'est ce que nous proposons, parce que là aussi, nous souhaitons raccourcir les délais au maximum, parce que ça nous paraît tout à fait important au regard de l'objectif visé. Et le second amendement a pour objet est un amendement de repli, et au lieu d'un mois, il faut lire 3 mois. Monsieur le Président rapporteur. Alors, c'est un amendement que n'a pas examiné la Commission en tant que telle, puisqu'elle a émis un avis défavorable. Néanmoins, pour ce qui concerne la déclaration de l'activité qui a été conduite, et pour des questions de fonctionnement du dispositif, on préférera l'amendement de Mme Untermaier, qui est le 46 et qui prévoit une déclaration 3 mois après que l'action ait été menée, et qui permet de finalement faire fonctionner le système pour les personnes qui sont de bonne foi et qui veulent bien déclarer qu'ils ont conduit une action d'influence pour le compte d'une puissance étrangère. Et c'est un avis que je n'aimais qu'à titre personnel, un avis favorable sur le 46 et donc défavorable sur le 16 à titre personnel, puisque la Commission ne l'a pas examiné. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Défavorable sur le 16 et avis de sagesse sur le 46. Monsieur Castellan. Merci, Président. Juste un mot pour défendre ces amendements, parce que, bon, soyons pas naïfs, on sait très bien que les ingérences étrangères utilisent plusieurs canaux, que ce soit culturels, économiques et d'autres bien pires. Mais donc le contrôle qui est prévu ici dans ces amendements n'est qu'une réponse partielle, disons, par rapport aux réalités du terrain. Mais il a l'avantage d'exister, de faire une proposition, surtout que la Haute Autorité a des moyens d'investigation. Donc c'est tout l'intérêt de ces amendements que nous soutenons. Merci. Merci, Monsieur le député. Vas-y, Monsieur Ollier. La précision apportée par M. Castellani, elle a son intérêt, puisque en réalité, il y a bien une différence entre l'influence et l'ingérence. Sur le registre, on est sur l'influence. Et pour ce qui concerne les personnes qui accepteraient de jouer le jeu et donc de se déclarer, d'être transparent vis-à-vis du public, parce qu'ils ont agi pour le compte d'une puissance étrangère et qui se déclarent dans le délai de 15 jours au départ et puis dans le délai de 3 mois ensuite, après avoir conduit leur action, on leur donne quitus du fait qu'ils acceptent les règles de transparence. Naturellement, on ne s'attend pas à ce que tout le monde respecte ces règles, et c'est bien l'objet des sanctions pénales qu'on étudiera après, pour que les personnes qui n'y souscrivent pas, elles, puissent faire l'objet, soit à titre de personne physique, soit à titre de personne morale, de la sanction. Donc on est dans ce double registre sur la déclaration elle-même qui concerne les personnes qui agissent pour le compte d'une puissance étrangère. Madame Untermaier avait demandé la parole, je la lui donne, c'était juste avant le rapporteur, mais allez-y, Madame Untermaier. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre compréhension. Simplement pour vous dire que je vais retirer le 16, que je retiens le 46, que les 3 mois correspondent en fait à un dispositif qu'avec Gilles Legendre nous envisageons dans un texte qui est similaire, traitant de l'enregistrement du lobbying domestique, et que j'espère voir discuter bientôt dans l'hémicycle. Donc le 16 est retiré, le 46 est maintenu, c'est ça ? Voilà. Alors on va passer au vote sur cet amendement qui a reçu un avis favorable du rapporteur, un avis de sagesse du gouvernement sur le 46 qui est pour, qui est contre, adopté. Le 155, monsieur le rapporteur. C'est un amendement de cohérence, monsieur le président. Monsieur le ministre, favorable, qui est pour, contre, adopté. Le 62 au groupe RN. Défendu, monsieur le rapporteur. Alors, l'amendement a pour objet de prévoir une saisine de la CNIL sur le décret prévenu à l'alinéa 33. Pour le coup, nous avons prévu sur l'intégralité du registre qui est créé par l'article 1er une saisine de la CNIL pour qu'elle se prononce. C'est un amendement qui avait été déposé par M. Latombe, mais je crois qu'il est absent, et par moi-même, le 79 et le 158. Et donc, je vous demanderai de préférer les rédactions qu'on a faites qui englobent l'intégralité du dispositif. Donc, une demande de retrait. Merci, Monsieur le Ministre.
Même avis. Il est retiré. Je vous informe que sur l'amendement 99, je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public. Sur le 143, saisi par le groupe du Rassemblement National d'une demande de scrutin public. Sur le 157, par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. Tout ça est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Le 156, monsieur le rapporteur. Amendement de précision, monsieur le Président. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Favorable, on vote. 156, qui est pour, contre, adopté. Le 99, monsieur Lachaud. Oui. Par cet amendement, nous souhaitons que la peine d'emprisonnement et l'amende prévue soient calquées sur la peine prévue lors de l'examen de la loi sur la confiance dans la vie politique. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'il y ait une différence entre les sanctions pour, en fonction du registre qui est ainsi concerné, si ce n'est de pouvoir expulser des ressortissants étrangers qui seraient ainsi condamnés. Merci, monsieur le rapporteur. En fait, nous avions envisagé initialement une peine qui était plus sévère dans le registre pour les représentants d'intérêt qui agissent pour le compte des puissances étrangères. Et c'est logique, puisque cette infraction est jugée plus grave que ceux qui exercent en matière de lobbying dit domestique, si on prend le terme qui est celui retenu par les Américains. Et en réalité, on est allé plus loin que les 2 ans d'emprisonnement et les 30 000 euros d'amende que nous avions prévu initialement pour une seule raison, que certainement vous ne soutiendrez pas, mais que je vous explique, qui est une raison de coordination avec la loi immigration, puisqu'il s'agit de pouvoir appliquer la double peine, et donc de pouvoir appliquer l'article 46 de la loi immigration, et d'expulser ou d'éloigner, ça dépendra de la mesure qui est prise par le ministre de l'Intérieur à ce titre-là, d'expulser ou d'éloigner la personne qui serait de nationalité étrangère et qui se livrerait à une activité d'influence sans l'avoir déclarée pour le registre. C'est la raison pour laquelle le quantum de peine prévu est celui de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Et donc, avis défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Lachaud. C'est exactement pour cela que nous y serons opposés. Nous sommes contre cette inflation pénale que vous souhaitez mettre en œuvre et que vous mettez en œuvre texte après texte. Mais au final, on voit bien ici votre volonté de vous mettre d'accord avec le Rassemblement national sur cette ligne-là. Et on vous notera bien les votes dans cet hémicycle. Monsieur le rapporteur. Non, mais... Monsieur Lachaud, d'abord, on parle de délinquants, c'est-à-dire des gens qui ont commis des infractions à la législation française. Deux, on ne parle pas de n'importe quel délinquant, on parle des gens qui agissent pour une puissance étrangère au détriment de la France et qui cherchent à influencer les décisions. Donc, ce n'est pas n'importe quel type de personne que nous cherchons à éloigner ou à expulser. Et donc, dans cet objectif, moi, je trouve tout à fait justifiable qu'on prévoie un quantum de peine qui permette d'éloigner. Ça n'est pas le personnel diplomatique. Ça n'est pas les personnels qui sont protégés par une immunité et qui sont tolérés en France à ce titre-là. Et donc, ce sont des personnes que les puissances étrangères utilisent contre les intérêts de la nation, de façon à exercer ou de l'influence, ça c'est tout à fait légal, ou de l'ingérence, et que nous ne souhaitons pas voir perdurer sur le territoire national. Ça me semble tout à fait légitime de prévoir des dispositions qui permettent de les reconduire. En tout cas, c'est la position que moi je défends devant l'Assemblée nationale. Je suis dans la logique de prendre un pour un contre, hein, comme d'habitude, donc Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Nous voterons contre votre amendement, Monsieur Lachaud, et donc en faveur de ce qui est prévu, à savoir les 3 ans d'emprisonnement et les 45 000 euros d'amende, comme cela a été voté en commission des lois et comme cela a été encore rappelé par le président rapporteur, dans le but d'avoir, ça fait partie des objectifs visés par cet article 1er, des sanctions pénales fortes, dissuasives et qui, si elles sont appelées à être appliquées, soient véritablement de nature à faire prendre conscience de la gravité des actes commis, des actes de délinquance commis par des personnes qui sciemment, en toute connaissance de cause, se déroberaient à leurs obligations de transparence et de déclaration et se rendraient coupables d'ingérence et donc d'attaque d'une manière ou d'une autre, dissimulée, malveillante, contre notre pays. Donc contre cet amendement, M. Lachaud. Merci, c'est un scrutin public sur cet amendement. Je vous laisse regagner vos pupitres. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Votant 77, exprimé 58, majorité 30 pour 11 contre 47. Il est rejeté. Nous avons maintenant des amendements en discussion commune. Le premier, c'est le 143. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de notre collègue Lopez-Ligori pour aggraver ou en tout cas compléter les peines prévues avec des peines spécifiques aux personnes morales, en particulier les entreprises, avec des dispositions qui leur permettent un certain nombre de sanctions économiques, interdiction d'émettre des chèques ou interdiction de candidater au marché public. Donc ce sont des dispositions qui permettent d'alourdir les peines prévues pour les personnes morales, en particulier les entreprises qui ont évidemment plus de responsabilités qu'une personne individuelle. Merci. Le 157, monsieur le rapporteur. D'abord, je dois à l'honnêteté du débat parlementaire de dire que nous avions laissé pendante cette question des sanctions qui pèseraient sur les personnes morales. Et donc, c'est un sujet qu'avait relevé le groupe Les Républicains, le groupe Rassemblement National, d'autres groupes, parce que nous nous questionnions sur la bonne infraction, en tout cas la bonne sanction qui pèserait sur les personnes morales qui seraient coupable, si on peut le dire comme ça, d'influence étrangère, sans toutefois l'avoir déclaré au titre du registre. Il y avait plusieurs idées qui étaient en débat. La question de M. Boucard qui imagine faire peser une proportion du chiffre d'affaires et auquel je ne serais pas favorable parce que ça éluderait le fait des instituts, des think tanks, toute une partie de personnes morales qui n'ont pas le statut d'entreprise et qui n'ont pas une activité économique. Et puis il y avait les peines complémentaires qui peuvent être appliquées et qui sont déposés. Et là, sur ce débat, moi, je préférerais mon amendement parce que l'amendement de M. Lopez-Ligori, il prévoit l'intégralité des peines complémentaires qui peuvent s'appliquer à une personne morale. Or, dans ces peines complémentaires, il y a l'interdiction de procéder à une offre publique ou de titre financier, la confiscation d'un animal ou l'interdiction de détenir un animal. Et là, pour le coup, c'est des peines complémentaires qui ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre de ce type de sanctions. Donc, l'amendement que je présenterai ensuite, le 157, enfin que je présente d'ailleurs actuellement, en réalité exonère ces peines complémentaires. Il fixe les seules peines complémentaires qui soient applicables au cas présent. Et je vous invite, dans la discussion qui est commune, sous la réserve d'accepter le principe d'une sanction pénale qui soit une sanction pénale quintuplée dans son montant et dans son quantum de peine, comme je l'ai dit, eh bien de préférer le mien, ce qui implique que M. Boucard renonce à son pourcentage de chiffre d'affaires, et ça, il nous le dira dans quelques minutes. Donc, mon amendement est évidemment avis favorable au mien et défavorable aux autres pour les avis. Le numéro 12, M. Boucard. Merci, Monsieur le Président. Si vous me le permettez, je défendrai le 12 et le 13. En même temps, effectivement, c'est des amendements qui visent à inscrire une sanction sur effectivement le chiffre d'affaires mondial hors taxe des entreprises, le premier à 10%, le deuxième à 4%. 4% pourquoi ? Parce que c'est le montant qu'avait choisi la majorité présidentielle au moment de la loi Avia. Donc on s'est dit peut-être que ça vous plairait. Alors effectivement, cette loi vient, on vous avait dit qu'elle serait inconstitutionnelle. Vous ne nous aviez pas cru, elle est devenue inconstitutionnelle. Mais on s'est dit que c'était un petit clin d'œil à vous renvoyer par rapport au mandat précédent. En réalité, il me semble que les deux amendements 143 et 157 sont effectivement plus effectifs que ceux qu'on a déposés nous-mêmes. Donc je retirerai les amendements 12 et 13. Mais pour être tout à fait honnête, je trouve que l'amendement 143 défendu à l'instant par M. Tanguy est à minima aussi opérant que le vôtre, monsieur le rapporteur. Donc je voterai en faveur de celui de monsieur Lopez-Ligori, en faveur du vôtre, si jamais toutefois celui de monsieur Lopez-Ligori n'était pas adopté, mais je retire effectivement le 12 et le 13. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, monsieur le Ministre. Merci, monsieur le Président. Demande de retrait pour le 143 au profit du 157, puisque les deux autres viennent d'être retirés par monsieur Boucard. Monsieur Tanguy. Merci, monsieur le Président. Écoutez, monsieur le rapporteur, effectivement, quand un travail intéressant sur le fond aboutit, il faut le reconnaître. Donc, votre amendement satisfait nos demandes. Donc, nous retirons le nôtre au profit du vôtre. Parfait. Nous passons au vote sur le 157. Donc, c'est un scrutin public. Je vous laisse regagner vos pupitres. Il a reçu un avis donc favorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Votant 84, exprimé 75, majorité 38 pour 75 contre 0. Il est adopté. Je suis saisi sur le vote de l'article 1er par le groupe Rassemblement National d'une demande de scrutin public et puis plus tard sur le vote de l'amendement 137 par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. Nous annonçons tout ça dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Des amendements identiques, le 79 au groupe démocrate qu'il présente. C'est Madame Desjonquière. Merci Monsieur le Président. Cet amendement prévoit que la CNIL rende un avis sur le projet de décret en Conseil d'État définissant les modalités de mise en œuvre de ce nouveau répertoire numérique. Je vous remercie. Merci. Et le 158, Monsieur le rapporteur ? C'est un amendement identique, donc j'y suis favorable. Et vous pouvez nous donner votre avis sur le 79, de fait ? Favorable, car presque identique. Monsieur le Ministre ? Favorable. Nous passons au vote sur ces amendements identiques, qui reçoit un avis favorable, qui est pour, contre, adopté. Le 159, monsieur le rapporteur. Alors, c'est un amendement de coordination pour prévoir que l'application du dispositif au sein des assemblées parlementaires, il modifie l'article 4 quinquies applicable aux représentants d'intérêt au sens de la loi Sapin 2 qui est en application. Et donc, voilà le portée de cet amendement. Monsieur le ministre, favorable. Nous passons au vote. Amendement 159, avis favorable, qui est pour, contre, adopté. Le 160, monsieur le rapporteur. Alors. Là, c'est important parce que vous avez été plusieurs en commission à nous dire que la HATVP ne disposerait pas des postes nécessaires pour appliquer les missions nouvelles qui sont les siennes. C'est un débat que nous avons. Je rappelle simplement que pour la HATVP, nous avons augmenté le nombre d'équivalents temps plein qui sont à sa disposition pour le budget 2024 de 4 postes. Il est évident qu'avec ces nouvelles missions qui sont importantes, la HATVP aura encore besoin de personnel supplémentaire. Et la raison pour laquelle nous souhaitons différer l'entrée en vigueur de l'article 1er qui crée ce registre, c'est parce qu'il faudra au budget 2025, au PLF 2025, des postes supplémentaires à nouveau pour la HATVP pour pourvoir aux nouvelles missions qui lui sont confiées. Et donc, par cohérence avec le fait que nous ne pouvons pas, au titre de l'article 42 de la Constitution, ajouter des moyens nouveaux dans cette proposition de loi pour la Haute Autorité de Transparence de la Vie publique, eh bien, nous prévoyons le différé de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025. C'est l'objet de l'amendement que je vous présente. Merci. Monsieur Boucard. Pardon, le ministre a un avis favorable de la tête, non ? Monsieur le ministre, vous voulez prendre la parole ? Pardon. Merci, monsieur le président. Le gouvernement accueille favorablement ce différé dans la date d'entrée en vigueur du texte. S'il tenait au gouvernement, il l'aurait différé un peu plus encore, étant donné les délais qui vont s'imposer à la rédaction publication des décrets qui sont soumis à l'avis de deux autorités. Ce sera donc un avis de sagesse sur cet amendement du rapporteur. Monsieur Boucard. Merci, Monsieur le Président. La réponse du ministre me semble importante parce qu'en réalité, on a déjà eu ce débat à l'ordre de la Commission à l'initiative du groupe Les Républicains et, je dois le reconnaître, du groupe Rassemblement National par Monsieur Tanguy. Et la majorité nous avait répondu, c'est pas compliqué, c'est très simple. Il manque 4 postes pour faire en sorte que cet article 1er soit opérant avec les moyens qui sont aujourd'hui alloués à la HATVP. Et on voit pourtant dans cet amendement de Monsieur le rapporteur que finalement il faudrait différer peut-être éventuellement l'application de cet article 1er pour que le gouvernement envisage de mettre en place les moyens nécessaires. Or, s'il s'agit de 4 postes, j'imagine que le gouvernement peut faire l'effort d'ici à la fin de cette année civile. Ou alors on se rend compte que la majorité et que le gouvernement n'ont pas suffisamment calibré cet amendement, enfin cet article 1er, pour faire en sorte que la HATVP puisse contrôler les ingérences étrangères sur le sol français. Ou alors peut-être qu'on se rend compte que M. Bruno Le Maire a créé 1 000 milliards de dettes depuis 7 ans et qu'on est en difficulté pour créer un seul poste. Et là, c'est une autre spécialité différente. C'est pour ça que je voulais intervenir sur cet amendement-là, parce que la réponse du gouvernement est très éclairante par rapport à ce qui nous a été dit en commission la semaine dernière. Monsieur le rapporteur. Alors, peut-être que j'ai été imprécis dans les réponses que je vous ai apportées. 4 ETP supplémentaires, c'était pour l'année 2024. Pardon. Donc sans même que nous n'imaginions créer ce dispositif qui ne pouvait pas, compte tenu de la navette parlementaire et des débats, être intégré sur ce sujet. Donc le dispositif, moi je souhaite qu'il soit créé au plus tôt. Si la loi est examinée dans la navette parlementaire avant l'été, tant mieux. Et par contre, il nous faut prévoir des moyens équivalents. En revanche, si ça n'est pas le cas, il faudra des postes supplémentaires. Peut-être même plus que 4, M. Boucard. Peut-être même plus que 4, parce que je ne vous ai pas dit qu'il fallait 4 ETP pour les missions nouvelles qui lui sont confiées. Dans ces circonstances,
Et par prudence, je préfère réserver la durée d'entrée en vigueur, pardon, qui soit au 1er janvier pour que nous prévoyions tous les moyens nécessaires pour la HATVP, pour que nous rendions effectif ce dispositif au 1er janvier 2025. Merci. Eh bien, nous allons passer au vote sur cet amendement car c'est un avis de sagesse du gouvernement. À main levée. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Sur l'article 1er, c'est un scrutin public. Je vous laisse rejoindre vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 106, exprimé 106, majorité 54 pour 93 contre 13. Il est adopté. Nous sommes sur l'article additionnel après l'article 1er avec l'amendement 137 qu'il présente au groupe Renaissance. Monsieur le Président, Monsieur Maillard, qui présente au groupe Renaissance le 137 ? Monsieur Haddad. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à demander aux organismes, laboratoires d'idées qui bénéficient d'une exemption fiscale et qui produisent, réalisent des analyses, des expertises sur les sujets de politique publique ou de politique étrangère, de publier auprès de la HATVP tous les dons et versements qu'ils reçoivent de la part d'une entité étrangère. Ça peut être un État, ça peut être une entreprise ou un individu. Ces laboratoires d'idées qu'on appelle les think tanks, qui ont un impact dans notre vie démocratique, contribuent à éclairer les décideurs publics. Donc naturellement, il faut se réjouir de leur dynamisme, de leur activité et soutenir leur financement. Mais à cet égard, ils ont une exigence de transparence, comme c'est le cas dans beaucoup de démocraties chez nos partenaires. Ils ont une exigence de transparence vis-à-vis du citoyen. Et donc c'est pour ça qu'on demande tout simplement, encore une fois, il ne s'agit pas de restreindre leur activité, mais par transparence, de publier leur financement étranger auprès de la HATVP. Merci, monsieur le rapporteur. En principe, et normalement dans les articles que nous avons déjà étudiés, les alinéas prévoient que s'applique le registre des ingérences pour ce qui concerne la collecte ou le versement de fonds pour tous les organismes qui sont concernés. Par ailleurs, on a quelques difficultés puisque les laboratoires d'idées, s'ils sont financés peut-être même majoritairement par des puissances étrangères, ils ne sont pas forcément placés directement sous leur contrôle ou travaillant pour leur compte. Néanmoins, sous la réserve que ce soit juridiquement fiable, moi j'émettrai un avis de sagesse. La commission n'a pas étudié cet amendement, je ne l'avais pas inscrit dedans. À titre personnel, je vous donne un avis de sagesse sur cet amendement. Monsieur le ministre, même avis. Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Je voulais faire savoir que le groupe Renaissance allait voter en faveur de cet amendement porté par notre collègue Benjamin Haddad et qui est d'ailleurs co-signé par l'ensemble des membres du groupe Renaissance. Il nous semble représenter une avancée tout à fait intéressante et bienvenue en matière de transparence sur les activités des laboratoires d'idées et autres think tanks. Donc il y a là clairement quelque chose qui s'inscrit. J'ai entendu les arguments déployés par Monsieur le rapporteur, mais qui nous semble être en tout cas dans l'esprit tout à fait conforme et cohérent à ce que nous voulons faire avec cet article premier. Merci, Madame Untermaier. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Simplement, moi j'ai une interrogation, c'est que je ne comprends pas le lien avec le texte actuel et le registre que nous mettons en place. Voilà. Donc c'est vraiment ma préoccupation et je ne suis pas sûre qu'en admettant ce dispositif, on n'en oublie pas d'autres et qu'on ne crée pas des situations un petit peu déséquilibrées. Donc mon groupe sera réservé sur cette disposition. C'est un scrutin public qui nous mobilise sur cet amendement qui a reçu un avis de sagesse du gouvernement. Chacun a son pupitre, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 105, exprimé 104, majorité 53 pour 89 contre 15, il est adopté. Nous sommes sur l'article 2 avec des inscrits. Pour l'instant, j'ai deux inscrits. Pour le groupe démocrate, M. Eskenegox. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. J'avais prévu de défendre aujourd'hui des amendements sur le sujet des ingérences, sujet que je travaille depuis la commission d'enquête menée par Constance Le Grip et qui a notamment montré les liens entre l'extrême droite française et la Russie de Monsieur Poutine. Je ne vous ai pas cité, donc ne vous sentez pas visé, je ne vous ai pas cité.
Je lance donc cette semaine une mission sur les ingérences étrangères dans les médias, qui, j'espère, permettra d'obtenir des pistes pour continuer ce travail mené avec ce texte. Aujourd'hui, j'aurai évoqué l'enjeu des ingérences dans les établissements d'enseignement supérieur. Ce n'est pas forcément l'objet de ce texte, mes amendements sur cette thématique ont été considérés comme cavaliers, qui surgit de la nuit. Mais je pense qu'il est nécessaire de pouvoir, malgré tout, aborder le sujet, car il rentre dans le sujet des ingérences. En effet, les accords que les établissements d'enseignement supérieur peuvent contracter avec des institutions étrangères risquent parfois de créer des situations de dépendance financière des établissements. Si ces accords peuvent être nécessaires, il est essentiel que les informations de relations financières entre les universités et ces institutions soient publiques. Il faut une publicité sur les sources étrangères de financement, y compris à travers les frais d'inscription, pour lever tout doute de conflit d'intérêts. Il est également nécessaire de se pencher sur le sujet des bourses d'études, qui viennent souvent de pays réputés amateurs d'ingérence et qui utilisent parfois, et souvent contre leur gré, les étudiants bénéficiaires. Un rapport du sénateur Gattolin montrait que le président de l'INALCO a confirmé avoir reçu des pressions après l'organisation d'une conférence avec le Dalai Lama et avoir été destinataire de lettres de l'ambassade de Chine et de menaces sous-entendues d'arrêt, voire de retrait de bourse. Sciences Po avait donc annulé une telle conférence. Je vous remercie. Merci. J'ai des demandes d'inscription. J'ai d'abord pour le groupe Renaissance, Madame Le Grip, je crois, qui surgit hors de la nuit pour continuer la métaphore de M. Skenegox. Le président, merci Monsieur le Président, connaît ses classiques, effectivement. Plutôt qu'il court l'aventure au galop. Je vous en prie. Bon. Reprenons notre sérieux. La matière que nous traitons aujourd'hui est sérieuse. Sur cet article 2 qui vise à demander au gouvernement de remettre un rapport au Parlement faisant l'état précis, réel des menaces, particulièrement des menaces d'ingérence étrangère, remise du rapport qui serait suivi d'un débat dans nos deux chambres, je voulais insister sur, d'une part, la pertinence et l'intérêt total d'avoir effectivement la possibilité de débattre publiquement de manière éclairée, transpartisane bien sûr, afin que chacun s'exprime à la suite de la remise du rapport par le gouvernement dans l'enceinte de nos deux hémicycles, mais également insister par-delà l'intérêt que cela représenterait pour les députés et les sénateurs que de pouvoir entendre, s'exprimer, faire des recommandations et pourquoi pas être mieux informés, éclairés et de ce fait plus, je dirais, créatifs encore en matière de préconisation, sur l'intérêt pour nos compatriotes. Nous sommes plusieurs à déplorer que la prise de conscience de la réalité, de la dangerosité des ingérences étrangères qui sont à l'œuvre dans notre pays, y compris de manière très insidieuse, y compris par des réseaux, des organisations politiques, des médias qui se prêtent complaisamment à tel ou tel narratif, est encore trop faible et que nous ne saurions nous reposer uniquement sur l'appareil d'État, nos services de renseignement, nos grandes agences, l'ANSSI, Viginum, le SGDSN, etc., etc., pour véritablement hausser le niveau de protection, le niveau de résistance et de résilience, surtout contre les manipulations de l'information et les désinformations qui sont très massivement à l'œuvre, on le sait, notamment de la part de la Russie, encore ces jours-ci. Donc, avoir un débat permettrait d'éclairer également l'opinion publique. Merci beaucoup. Le groupe Rassemblement national, M. Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, chers collègues, on ne comprend pas à nouveau pourquoi vous affaiblissez votre propre loi. La version initiale prévoyait un rapport tous les ans, ce qui nous paraît un minimum. Pour une raison simple, en France, nous votons presque tous les ans. Après la présidentielle législative, il y a eu un vote au sénatorial, nous aurons les élections européennes, nous aurons ensuite les élections municipales et l'élection présidentielle reprendra et ainsi de suite. Donc, s'il y a, et il y en a, des ingérences étrangères hostiles sur les processus électoraux, le Parlement doit être au courant et doit en débattre chaque année et si possible avant l'ouverture des processus électoraux. Et passer d'un délai de 1 à 2 ans est préjudiciable à la bonne information des citoyens et aussi au devoir d'alerte qui pourrait être ainsi saisi auprès des parlementaires et aussi que les parlementaires fassent remonter à leur tour à ce moment de ce débat les problèmes que l'on pourrait rencontrer. Donc pourquoi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez passer à 2 ans, pourquoi une fois plus affaiblir votre propre dispositif, je n'ai pas encore entendu d'arguments valables. Deuxième sujet couvre
couvre cet article 2, c'est ce que le gouvernement va sous-entendre par ingérence. Si, comme l'a fait la rapporteure Constance Le Grip dans le rapport de la commission d'enquête, et c'est son choix, c'est sa liberté évidemment de parlementaire, elle ne considère pas que les ingérences états-uniennes ou d'autres puissances occidentales rentrent dans le sphère de l'ingérence, eh bien ça pose problème, parce que c'est un choix politique, c'est une position qui se défend, mais ce n'est pas la position, je pense, des autres groupes politiques. Et quand on entend le procureur du parquet national financier, ou quand on entend M. Fillon, les ingérences venues des États-Unis sont les principales ingérences constatées. Donc les exclure d'emblée, si le gouvernement suit l'avis d'une partie de sa majorité, pose problème. Donc il y a quand même des questions qui, derrière cet article 2 qui paraît simple, sont très importantes, et je ne remets pas du tout en cause Mme Le Grip. C'est sa liberté de rapporteur, c'est ma liberté en tant qu'ancien président de considérer que oui, les ingérences américaines rentrent dans le champ des ingérences. Pas d'autres inscrits sur cet article 2. Nous allons étudier les amendements. Le 161, monsieur le rapporteur. Alors, peut-être des considérations générales également sur la proposition de loi qu'on propose également sur l'article 2. D'abord, sur le débat qui devient tous les deux ans plutôt qu'annuel, il résulte directement des consultations que nous avons conduites. Certes, un débat annuel ne se justifie pas compte tenu de l'évolution de la menace, mais un débat qui soit tous les trois ans ou tous les quatre ans serait bien trop large, en tout cas une durée bien trop longue par rapport à l'actualisation de la menace et à son évolution. Et c'est la raison pour laquelle, en opérant finalement un équilibre entre les revendications qui étaient celles qu'on a pu entendre par les différentes parties, nous avons proposé de porter la durée d'un an à celle de deux ans. Voilà pour la réponse que vous attendiez, chers collègues. En revanche, sur la question des ingérences qui sont l'objet, des influences ou des ingérences qui sont l'objet des États-Unis d'Amérique, moi j'ai lu le rapport de Constance Le Grip. Il prévoit tout un pan de ce rapport à l'extraterritorialité du droit américain. Et donc, il mentionne bien la façon dont les États-Unis d'Amérique ont une action d'ingérence à l'égard de la France et des États comme ceux de l'Union européenne. Il ne néglige pas cette partie-là. Il en fait même toute une part belle, puisque c'est l'introduction et ce sont les premières parties de ce rapport. Donc, ne dites pas que c'est exact sur ce sujet. Par ailleurs, vous mentionnez comme témoin de moralité M. Fillon. Il me semble que c'est un témoin de moralité qui soit un peu douteux, compte tenu de sa proximité avec certaines entreprises qui soient immédiatement détenues par la puissance russe. Enfin, pour ce qui concerne mon amendement, il s'agit de sortir le terme de ce débat de la partie législative du Code de la sécurité intérieure pour l'inscrire dans la présente loi. Je pense que ce débat, aussi précieux soit-il, ne doit pas figurer dans le Code et donc ne doit pas être codifié. Monsieur le ministre. Favorable. Pas d'intervention. Nous passons au vote sur cet amendement 161 qui a reçu un avis favorable, qui est pour, contre. Il est adopté. Alors, il fait tomber les amendements suivants. Le 100, il fait tomber le 76 et il fait tomber... c'est tout. Oui. Le 100 et le 76. Et nous sommes sur l'amendement numéro 9 qui est présenté par M. Tanguy. Oui, non ? Oui, oui. Gérez votre paperasse et venez nous présenter le 9. Merci, Monsieur le Président. Je ne savais pas que les amendements précédents allaient tomber. Non, mais tout simplement, je redis ce que j'ai dit, Monsieur le rapporteur. Votre explication n'est pas satisfaisante. Il faut informer le Parlement chaque année. Si le gouvernement identifie, ou en tout cas fait part à notre Parlement, de tentatives d'ingérence, de déstabilisation d'un processus électoral une année, et que nous ne savons pas s'il y a un processus électoral l'année suivante, si ces problèmes ont été résolus, s'ils se sont aggravés ou s'ils sont en cours de résolution, ça pose problème. Et le processus électoral pourrait être mis en cause, parce que si les électeurs sont informés à travers nous d'un problème d'ingérence qui pourrait déstabiliser l'élection et qu'ils ne savent pas si ce problème est résolu ou n'est pas résolu, ça a une influence, que vous le vouliez ou non, sur le processus électoral qui aura lieu dans l'année où vous ne faites pas de rapport. Donc on ne peut pas ouvrir des sujets d'ingérence et ne pas les conclure ou les poursuivre l'année d'après et laisser une incertitude. Parce qu'une fois plus, soulever un sujet d'ingérence à juste titre inquiétera nos concitoyens et les parlementaires. Et s'ils sont dans l'incertitude pendant un processus électoral sur les suites données aux problèmes qui ont été soulevés, ça jouera
directement ou indirectement, sur la sérénité du processus électoral. Donc vous ne pouvez pas juste balayer le fait que ça tienne tous les deux ans comme un détail. Ce n'est pas du tout un détail, et il ne s'agit pas de savoir si c'est tous les 3, 4 ou 4 ans. C'est qu'à partir du moment où vous ouvrez un problème avant une élection ou juste après une élection, il faut pouvoir l'avoir résolu ou avoir en tout cas débattu de ces sujets avant qu'un autre processus électoral se tienne. Sinon, au lieu de lutter contre les ingérences, vous leur donnez un rôle dans notre processus électoral du fait de la confusion ou de l'incertitude que cela crée. Merci. Je vous signale que sur le vote de l'amendement numéro 9, je suis saisi par le groupe du Rassemblement national d'une demande de scrutin public qui est annoncée. Nous sommes sur des amendements identiques, donc j'ai demandé au groupe LFI, M. Saint-Toul, de présenter le 103. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, deux éléments complémentaires, simplement. D'abord, c'est la proposition initiale d'avoir ce rapport annuel, donc je ne vois pas de raison pour laquelle vous avez rétropédalé et vous proposez désormais deux ans. Et puis, il y a une logique institutionnelle. On parle souvent du parallélisme des formes. Dans notre Assemblée, il y a des délégations, notamment la DPR, mais d'autres organismes et le gouvernement qui remettent annuellement des rapports. Vous ne pouvez pas arriver en nous disant le risque d'ingérence est majeur, on traverse une période de grande intensité, menace, etc. Et puis nous dire qu'en fait, ça n'est pas si grave, on peut en débattre, on peut en discuter et faire un état des lieux tous les deux ans. J'ai l'impression que, par exemple, les attaques informatiques, le nombre a augmenté de façon exponentielle. Vous ne pouvez pas simplement arriver et nous dire « Oh, dans deux ans, on débattra des tentatives d'ingérence en attaquant le service, je ne sais quel service hospitalier, etc., qui a eu lieu il y a deux ans. » Ça n'a pas tellement de sens. Vous vous rendez bien compte qu'on a un besoin précis. Et vous ne pouvez pas priver l'Assemblée nationale de cette capacité de regard sur un sujet que vous estimez si urgent. Monsieur le rapporteur. D'abord, je ne pense pas rétropédaler quand je tiens compte des auditions que nous menons à l'Assemblée nationale. Sinon, on n'auditionne plus personne, on n'écoute pas ce qu'ils nous disent, et puis on légifère de façon bornée, avec nos propres idées, de façon très idéologique ou dogmatique. Ensuite, sur la question des ingérences, moi je pense qu'il y a une confusion qui est faite. Les services ne vont pas nous informer sur l'action qui est en cours à tel moment par telle puissance à l'encontre de telle élection. Non, les services vont nous dire que l'actualité est très forte sur la déstabilisation des processus électoraux et donc que toutes les élections qui sont en cours ont une menace d'ingérence russe sur la manipulation de l'information, que toutes les sociétés qui agissent pour le compte de la fourniture d'armes au profit de l'Ukraine eh bien, sont susceptibles d'être déstabilisées soit par la Russie, soit susceptibles d'une ingérence chinoise pour connaître les derniers degrés de développement de la BITD française, et puis, etc. On pourrait multiplier les exemples. Mais la nature même des déstabilisations dont la France est l'objet évolue. Elle évolue rapidement. Est-ce qu'elle évolue annuellement? La réponse est non. Est-ce qu'en rendre compte de cette façon à l'Assemblée nationale aurait un intérêt tous les ans? La réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle cette durée de deux ans sur les débats, compte tenu de l'évolution qui est très actuelle, qui est réelle et qui fait qu'il y a de nouveaux procédés qui sont développés, les cyberattaques que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas les cyberattaques que nous connaissions il y a quatre ans. Voilà. Mais elles ont évolué sur un laps de temps que je vous ai décrit qui est quadriannuel. Et donc qui justifie qu'aujourd'hui, on ait ce débat tous les deux ans, qu'il soit riche, qu'il soit puissant, qu'il nous permette un contrôle précis des services de renseignement et pour laquelle nous avons fait évoluer notre position par rapport à la proposition qui était celle initiale. Voilà pour la raison pour laquelle, dès la commission, nous avons fixé ce débat à deux ans et que je vous propose de le maintenir en émettant un avis défavorable à ces deux amendements. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Yordanov. Merci, Monsieur le Président. Je vais intervenir en contre ces deux amendements parce qu'effectivement, les auditions ont montré que la question des rapports est importante. En fait, il n'y a pas des éléments extrêmement précis dans ces rapports. Il y a un état de la menace qui ne change pas en réalité chaque année. Et si on veut que ces rapports soient un peu sérieux, que les services aient le temps de les étayer, il ne faut pas leur en demander chaque année, sinon le risque c'est que ces rapports ne soient pas très complets. Et en réalité, il ne faut pas contraindre l'Assemblée à des débats chaque année sur tous les sujets. Moi, je suis absolument favorable à ce qu'on ait un débat sur les sujets de l'ingérence. Les auditions nous ont plutôt demandé tous les 3, 4 ou 5 ans
Je pense que 2 ans, c'est un délai qui est quand même relativement court. Et si nous le jugeons nécessaire, on peut toujours avoir des débats supplémentaires. Donc je pense que 2 ans, c'est un compromis tout à fait acceptable. Merci. Donc un contre, un pour. Un contre, un pour. Monsieur Tanguy, vous aviez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis désolé, je ne suis absolument pas convaincu par les arguments du rapporteur. Et en plus, je suis plutôt inquiet de la teneur de ce rapport. Si ça consiste à baratiner le Parlement avec des généralités qu'on peut trouver dans n'importe quelle feuille de chou publiée par la presse française, il n'y a pas besoin de faire perdre du temps à tout le monde. Il s'agit d'établir, je pense, en tout cas c'est nécessaire, un état des lieux chiffré de la menace d'ingérence. Or, les auditions de la commission d'enquête parlementaire que j'ai présidée ont montré qu'on pouvait tout à fait chiffrer les ingérences que la France subissait, notamment sur les processus électoraux. Viginum a été en mesure de quantifier la nature et l'ampleur de la désinformation, le nombre de messages, le nombre d'émissaires malveillants, et d'ailleurs de transmettre ces informations pour ce qui est de l'élection présidentielle au Conseil constitutionnel, qui a conclu d'ailleurs que les ingérences sur le processus électoral n'étaient pas de nature à influencer l'issue du scrutin. Bon, bah, dont acte, comme dirait l'autre. Bon, et c'est d'ailleurs rassurant pour la démocratie française. Donc, soit on transmet au Parlement et aux Français qu'on représente des informations fiables, quantifiées, chiffrées, et qui permettent d'établir la réalité de la menace et pas d'agiter des choses pour faire peur aux gens et pour faire diversion sur les vraies menaces, cyberattaques, cyberharcèlement, cyberrançonnage, dont on ne parle jamais pour mieux faire peur aux gens sur des processus électoraux qui sont, et c'est tant mieux, sécurisés et contrôlés dans notre pays. Soit on ne fait pas de rapport. Mais si c'est que des généralités et faire peur à tout le monde sans être capable de quantifier les menaces et savoir si nos services sont capables de les contrer, ça n'a pas de sens. Par ailleurs, dire que l'État français n'a pas les moyens d'établir chaque année un rapport de qualité sur les ingérences étrangères, écoutez, il faut arrêter. L'État français a largement les moyens d'établir par an un rapport sur les ingérences si, comme c'est le cas et comme vous le dites suffisamment matin, midi et soir, les ingérences sont vraiment un problème pour la sécurité nationale. Dans ce cas-là, cela mérite un rapport annuel. Si, en fait, c'est un peu un aveu sur la réalité des ingérences en France, est-ce que vous considérez en fait comme un phénomène secondaire, c'est-à-dire que électoralement vous dites aux Français c'est il y a une grande menace et dans les faits vous dites bon c'est suffisamment pas important pour qu'on fasse un rapport tous les 2 ans. Merci monsieur le député. Nous avons eu 2 avis, nous passons au vote, c'est un scrutin public sur ces 2 amendements. Je vous laisse regagner vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 119, exprimé 117, majorité 59 pour 55 contre 62, il n'est pas adopté. L'amendement 50, Madame Ménard. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui n'a pas du tout trait à la fréquence du rapport, mais plus exactement et plus particulièrement sur les ingérences dans les milieux universitaires et scolaires. C'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'à présent. Et donc, mon amendement vise à dresser un état des lieux des ingérences étrangères dans nos établissements universitaires et scolaires. On a déjà publié de nombreux rapports parlementaires qui montrent que certains pays investissent le milieu universitaire afin de former leurs propres étudiants, leurs propres forces vives, pour renforcer leur influence dans les sujets de recherche. Et les étudiants étrangers obtiennent d'ailleurs souvent des bourses de leur pays, à condition de revenir y travailler par la suite. Et tout ceci pourrait contribuer à accroître le risque d'ingérence en fragilisant les libertés académiques françaises et en diffusant éventuellement aussi des données scientifiques sensibles. Voilà, c'est pourquoi je porte l'accent sur ce sujet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. D'abord, je vous l'ai dit, les ingérences qui sont menées, elles portent tous une signature différente. Et celle que vous craignez, notamment à l'égard de nos universités, elle porte la signature plutôt chinoise. Donc elles sont comprises dans le rapport qui est déjà préparé. Et le seul fait de les préciser vaudrait exclusion des autres. Parce que le principe de spécialité fait que si vous prévoyez un certain type d'ingérence, c'est aux dépens de toutes celles qui n'y figurent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles je préférerais qu'on repousse votre amendement, en tout cas qu'on ne l'adopte pas. Avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Je voulais prendre l'opportunité
du débat sur cet amendement de Madame Ménard pour dire qu'effectivement, le sujet qu'elle pointe est un réel sujet. Hein, le rapport du sénateur André Gattolin, remis pour le compte d'une mission d'information du Sénat en octobre 21, avait clairement identifié les influences et ingérences extra-européennes dans les milieux académiques et universitaires au sens large et pointé du doigt toute une série de comportements délictueux ou malveillants à l'encontre de nos universités, de nos établissements d'enseignement supérieur, de nos think tanks, etc., etc. Je pense qu'effectivement, le rapport, lorsqu'il nous sera présenté par le gouvernement, comprendra l'ensemble du spectre, couvrira l'ensemble des ingérences, et nous avons vu à quel point elles sont diverses, protéiformes, multiples. Je voulais juste revenir également sur la temporalité qui avait fait l'objet d'un petit échange précédemment. Il y a quand même un certain nombre d'agences dépendant du SGDSN, Viginum par exemple, s'agissant de la lutte contre les ingérences numériques étrangères, l'ANSSI, s'agissant de cybersécurité et de lutte contre les cyberattaques, qui publie régulièrement des points, font l'état des lieux de leurs travaux, leurs sites sont publics, aussi bien l'ANSSI que Viginum sortent d'abord d'ailleurs des rapports annuels, et vous avez fort bien compris, je pense, chers collègues, que l'époque est à de plus en plus la publication, l'attribution, la communication sur la réalité des diverses ingérences dont souffre notre pays. Donc un rapport global faisant le point sur l'ensemble des menaces et des ingérences serait également l'occasion d'avoir une perspective, je dirais, géopolitique qui nécessite un petit peu de temps et un petit peu de profondeur de champ et donc un petit peu de recul sur les actions passées, alors qu'il y a par ailleurs déjà beaucoup de données chiffrées qui Merci, sont régulièrement publiées. Madame la députée, nous passons... Madame Ménard, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, juste pour répondre à l'objection du rapporteur, j'ai bien formulé l'amendement en expliquant qu'il fallait porter une attention toute particulière. Ce n'est pas du tout à l'exclusion de quoi que ce soit d'autre. Et il me semble que l'éducation, le domaine de l'éducation ou le domaine académique nécessite effectivement aujourd'hui en France une attention toute particulière parce que justement c'est bien un domaine dans lequel, et Madame Le Grip vient de le rappeler, dans lequel on a pu constater de nombreuses tentatives ou en tout cas possibilités d'ingérence étrangère. Je vous remercie. Merci. Nous passons au vote sur le 50 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, contre, rejeté. Le 123, qu'il présente au groupe RN, Monsieur Lopez Ligori, non? Il est défendu, Monsieur le rapporteur? Défavorable. Défavorable, Monsieur le ministre? Défavorable, on vote, qui est pour, contre, rejeté. Le 61, défendu, Monsieur le rapporteur? Défavorable, Monsieur le ministre? Même avis, on vote, qui est pour, contre, rejeté. Et nous arrivons à l'article 3. Pour l'instant, je n'ai qu'une demande d'intervention, c'est M. Tanguy. Pardon, on n'a pas voté l'article 2, excusez-moi. C'est vrai. Alors justement, l'article 2 qui est pour, il est adopté. Et sur l'article 3, M. Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je profite de ce temps de parole sur l'article 3 pour établir une vérité. Il a été dit dans une certaine presse de la part de la majorité que le groupe Rassemblement National avait voulu saisir le Conseil d'État pour ralentir les travaux législatifs sur cette loi sur les ingérences. C'est évidemment complètement faux. Lettre datée à l'appui. Marine Le Pen a effectivement saisi Yael Braun-Pivet quand nous avons eu connaissance de cette loi pour saisir le Conseil d'État, en particulier sur cet article 3, puisque dans une configuration précédente, il nous avait été indiqué que pour saisir le Conseil d'État, il nous fallait 2 mois, et que donc pour que les 2 mois soient respectés, il fallait saisir le bureau de l'Assemblée, la présidence de l'Assemblée, pardon, avant que le texte soit à l'ordre du jour, puisque dès qu'un texte est à l'ordre du jour, tous ceux qui sont de bonne foi ici savent qu'il n'y a pas 2 mois. Donc si on ne demandait pas cette requête au Conseil d'État avant
avant que le texte soit à l'ordre du jour, eh bien en fait, ça veut dire que le Parlement ne pourrait jamais saisir le Conseil d'État, puisqu'en dehors des textes budgétaires, nous ne savons pas à l'avance quand celui-ci va être mis à l'ordre du jour avant 2 mois. Donc en fait, ce sujet, une fois plus, je laisse les Françaises et les Français conclure sur le besoin de mentir en permanence d'une partie de la majorité dès que ça touche les ingérences sur le Rassemblement national. Nous, nous voulions au contraire, non pas ralentir les travaux, mais les renforcer, puisque cet article 3 pose un certain nombre de graves questions, ça a été soulevé d'ailleurs par les collègues de la NUPES, sur l'état de droit, et donc le Conseil d'État aurait pu conseiller ce Parlement et les rédacteurs de cette loi pour renforcer, pour s'assurer que cet article ne soit pas censuré après par le Conseil constitutionnel. Or, en voulant forcer la décision, en voulant prendre de l'avance sur l'Assemblée nationale pour prouver que vous étiez plus offensif, que vous étiez à l'avance surtout, vous prenez le risque que ce texte soit finalement censuré par le Conseil, enfin que cet article, pardon, soit censuré par le Conseil constitutionnel, faute de garantie juridique, faute d'avoir éclairé suffisamment nos débats pour éventuellement l'améliorer, le modifier, le consolider. Et donc vous faites prendre un risque important à ce texte. Et c'est quand même très dommage qu'une fois plus que pour des broutilles politiciennes, vous merci, ne respectiez pas l'état de droit et surtout la vérité. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. Nous allons examiner les amendements de suppression de l'article. Le premier, c'est le 24, c'est Madame Pic. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour. Cet article de suppression... il avait été posé, c'est plutôt un amendement d'appel en quelque sorte, puisque je vous l'ai dit, nous avions quelques doutes sur l'encadrement de cet article 3 et donc voilà, nous avions plusieurs raisons pour cela. D'abord parce que les nouvelles finalités justifiant le recours à un algorithme de surveillance n'était pas très délimité. Cet élargissement risque de conduire à une collecte de données trop massive et qui soulève un problème au regard des libertés fondamentales, mais aussi au regard des difficultés techniques qui sont liées à la capacité pour les services de traiter une telle quantité d'informations. Et puis la durée de l'expérimentation, longue, sans rapport intermédiaire, nous semblait un peu risquée aussi. Le rapport d'évaluation remis tardivement dans l'expérimentation nous pose aussi quelques problèmes. Donc, rassuré par vos propos, monsieur le rapporteur, sur le différent cadre que vous souhaitez ajouter à cet article 3, m'indique que je peux aujourd'hui, je crois, avec l'ensemble de mes camarades du groupe, retirer cet amendement de suppression afin que nous puissions discuter de ce cadre et j'espère ne pas faire d'erreur en le faisant. Voilà, merci. Il est donc retiré. Je vous indique sur le vote des amendements 66 et 67, je suis saisi par le groupe écologiste, d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée. Et sur le 106, monsieur Lachaud. Merci, monsieur le Président. Nous en arrivons au cœur du texte, la mesure qui cible les libertés publiques et individuelles. Vous nous aviez dit, lorsque nous avons examiné les textes sur le terrorisme, que les services avaient besoin de cette expérimentation de travail et d'examen sur les algorithmes pour détecter de manière ciblée les signaux faibles de personnes non connues qui, par leurs liens, etc. Bon, on connaît ce qui s'est passé. Vous nous proposez aujourd'hui d'élargir le domaine du champ algorithmique aux questions d'ingérence, alors même que nous attendons un rapport pour juillet. Donc, à quoi ça sert de demander des rapports? À quoi ça sert qu'il y ait des rapports? À quoi ça sert que vous fassiez des expérimentations? Puisque expérimentation signifie immédiatement transcription dans le droit commun et généralisation des pratiques. Cette pratique, elle est attentatoire aux libertés publiques. L'Assemblée générale des Nations unies le dit. Plus largement, nous pouvons penser que cette question des algorithmes, ce sont des boîtes noires. Personne ne sait comment fonctionnent les algorithmes à part les services. Rien ne nous garantit que la liberté de la presse sera garantie. Rien ne nous garantit que le secret des sources sera préservé. Il s'agit pourtant de bases et de droits constitutionnels. Il y a donc là beaucoup trop de risques pour vous laisser jouer à cela sur des concepts flous que vous ne définissez même pas sur l'ingérence étrangère. Il s'agit donc là de défendre les libertés publiques, les libertés individuelles,
Nous refusons cette course en avant. Il est donc indispensable de rejeter cet article. Attendez au moins le rapport de juillet avant de nous proposer d'aller plus loin dans le développement des recherches algorithmiques. Merci. Monsieur le rapporteur. Bon, d'abord, je voudrais dire à l'orateur du Rassemblement national que cette technique, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle est utilisée en matière d'antiterrorisme depuis 2015, qu'elle a été élargie pour les URL en 2021, et donc pour ce qui concerne les études d'impact ou le contrôle du Conseil constitutionnel qui a été saisi, il a jugé tout à fait conforme à cette pratique, et il s'est exprimé sur ce sujet, notamment sur la question des finalités pour lesquelles c'est utilisé. C'est un premier aspect. Pour la question de l'intervenante du groupe socialiste qui a eu l'honnêteté de retirer son amendement parce que j'ai dit que nous allions pouvoir procéder à un rapport d'évaluation au bout de 2 ans sur la durée de 4 ans qui était proposée pour l'expérimentation, tout en réécrivant aussi le fait que le dispositif disparaisse à la fin de l'expérimentation et qu'il faille une nouvelle intervention du législateur pour le pérenniser si c'était nécessaire, eh bien nous prendrons, en tout cas j'émettrai un avis favorable à son amendement numéro 19, comme je m'y étais engagé auprès d'elle avant la séance. En revanche, M. Lachaud, dans ce que vous avez dit, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi à ce sujet, et surtout pas sur la question de l'usage des techniques de l'algorithme pour les données de connexion. Parce que quand vous dites que l'on utilise ça pour n'importe quoi, n'importe comment, pardon, mais c'est tout sauf vrai. Et c'est particulièrement tout faux. Parce que, d'abord, si c'est ce que vous avez dit, M. Lachaud, vous avez dit que le cadre était incontrôlé. D'abord, les finalités pour lesquelles c'est utilisé, c'est-à-dire les finalités 1 et 2, elles sont prévues à l'article 811-3 du Code de la sécurité intérieure. Et en plus de viser ces finalités, nous ne les visons que pour les seules fins de ingérence ou tentative d'ingérence. Ça, c'est pour la précision. Ensuite, que se passe-t-il lorsqu'il est développé un algorithme ? L'algorithme, il est développé par les services et pour être autorisé à être mis en place sur les données de connexion qui visent à être collectées, et non pas sur une surveillance de masse, mais une surveillance qui est précise, ça a été d'ailleurs l'objet des débats que nous avons eus en discussion générale, eh bien, lorsque cet algorithme est développé, il doit faire l'objet d'une autorisation par une autorité administrative indépendante. Pas n'importe qui. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, à laquelle siègent des parlementaires qui sont nommés par les présidents des chambres. Et donc, vous parlerez ensuite, vous considérez que la démocratie parlementaire n'est pas suffisamment élaborée. Mais ça, c'est votre problème, c'est vos débats. Sur la CNCTR, lorsqu'elle est saisie, elle émet un avis lorsqu'elle est saisie par le Premier ministre. Et si le Premier ministre n'était pas d'accord avec l'avis de la CNCTR, alors il devrait exercer un recours auprès du Conseil d'État, auprès d'une chambre dédiée. Vous voyez que le cadre flou, imprécis ou juridiquement inabouti ou non établi que vous décrivez, il est totalement farfelu et il n'est pas vrai. Et j'ajoute que par rapport à cela, jamais jusqu'alors, le Premier ministre n'est allé à l'encontre d'une décision de la CNCTR, ce qui prouve que le dispositif que nous proposons, il est parfaitement calibré et donc l'amendement de suppression, il n'a pas lieu d'être. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, parlons-en de la CNCTR. J'ai souvenir, il y a quelques mois, que nous votions la loi de programmation militaire. Et durant la CMP, tous les membres de la CNCTR avaient fait part de leur désir, de leur volonté de disposer de prérogatives complémentaires pour pouvoir contrôler les techniques de renseignement. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les membres de la CNCTR, parmi lesquels on peut trouver notre collègue Chenevard et bien d'autres qui sont membres de la majorité. Je ne l'ai pas inventé. Et sur la demande du gouvernement, ils ont retiré leur demande. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc venez pas nous expliquer que la CNCTR, la bouche en cœur, obtient tout ce qu'elle veut du Premier ministre. Ça n'a pas de sens. Ensuite, vous nous dites que tout ça, c'est très clair et c'est bien balisé. Mais ce n'est pas vrai, puisque vous étendez spécifiquement le nombre, les cas dans lesquels ces techniques de renseignement vont pouvoir être mobilisées. Or, si vous limitiez vraiment à un nombre restreint de cas, mais bien sûr que non. Vous avez commencé par la question de la lutte antiterrorisme, vous continuez avec la question des ingérences, mais manque de chance, la question des ingérences, c'est que vous ne définissez pas jamais précisément ce qu'est une ingérence. Si bien que quand on défendra des positions contraires aux engagements pris par la France dans les traités, on est susceptible d'être considéré comme en train d'avoir une action relevant de l'ingérence. Problème, figurez-vous que certains groupes politiques dans notre Assemblée défendent aussi l'idée que parfois il est bon de désobéir
notamment aux traités européens. Donc vous voyez, on a quand même un souci fondamental en matière de liberté publique. Tout à l'heure, mon collègue Lachaud parle des libertés en matière de droit de la presse, mais il y a aussi tout simplement des problèmes en matière de liberté d'expression pure et simple. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes. Madame Le Grip, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Comme il a été abondamment fait état de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, je voulais très rapidement et sans dévoiler de secret, parce que cela n'est pas autorisé, faire état quand même, ayant siégé pendant 5 ans sous la précédente mandature au sein de la CNCTR. Le rapporteur a rappelé que depuis la création de la CNCTR, il y a 4 parlementaires, 2 députés et 2 sénateurs qui participent à toutes les réunions et qui ont toute faculté de s'ingérer, sans mauvais jeu de mots, de s'intégrer à toutes les opérations, y compris les opérations de contrôle. La CNCTR, qui est une autorité administrative indépendante, exerce sans contrôle, elle en a tous les moyens, toute la faculté, à chaque étape de la procédure de mise en œuvre des techniques de renseignement. Si, croyez-moi, elle en a tout à fait la capacité. Aucun algorithme ne peut être mis en œuvre sans autorisation préalable du Premier ministre, vous le savez, sans avis de la CNCTR. Et au jour le jour, les hommes et les femmes qui composent la CNCTR, je ne parle pas des parlementaires, je parle des ingénieurs, des informaticiens, des hauts fonctionnaires qui composent cette autorité administrative indépendante, peuvent aller en travaillant avec les services, peuvent aller au GIC, par exemple, hein, qui est le service du Premier ministre, chargé de centraliser la mise en œuvre de toutes les techniques pour le compte des services. Donc, clairement, il y a des mécanismes de protection des pare-feux et tout cela est clairement encadré, très strictement encadré par une loi qui respecte tout à fait l'équilibre entre les nécessités de la protection de la sécurité de nos concitoyens et celle de la protection de nos libertés fondamentales. Bravo. Merci. Nous allons voter sur cet amendement de suppression de l'article qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Une discussion commune. L'amendement 66 qui est présenté par M. Yordanov. Est-ce que vous présentez le 67 avec ? Comment on est en discussion commune ? Je peux, si vous me laissez un peu le temps de développer, Monsieur le Président. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste, ces deux amendements détermineront notre vote à tout le moins sur l'article 3 et certainement sur l'ensemble de cette loi. En réalité, il faut peser l'équilibre, il faut bien peser l'équilibre entre la question des libertés publiques et le but poursuivi qui est de lutter contre les ingérences étrangères. On peut entendre qu'il faille recourir à des techniques spéciales de renseignement quand un intérêt fondamental de la nation est en jeu. Et c'est le but de l'amendement numéro 66, c'est-à-dire de déterminer très précisément pourquoi on pourrait mettre en œuvre ces techniques. Le problème de la rédaction actuelle de l'article 3, c'est que on avait explicitement nommé le terrorisme comme possibilité pour recourir aux algorithmes. Et aujourd'hui, on renvoie aux finalités 1, 2 et 4 de l'article 811-3 du Code de sécurité intérieure. Je vais vous les lire parce que c'est important. La finalité 1, indépendance nationale, intégrité du territoire, défense nationale. On est sur des enjeux majeurs, ça peut se comprendre. Mais la finalité 2, alors la finalité 4, c'est le terrorisme, ça peut se comprendre également, c'est déjà dans le texte, c'est la finalité 2 qui pose problème. Intérêt majeur de la politique étrangère, exécution des engagements européens et internationaux de la France, on ne voit pas bien ce que ça fait dans ce texte-là sur les ingérences étrangères, et prévention de toute forme d'ingérence étrangère. Ça, on peut le garder éventuellement, c'est l'amendement numéro 67. Mais je vous alerte sur le fait qu'on connaît la définition aujourd'hui d'une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. On connaît un peu moins la définition juridique d'une prévention des ingérences étrangères. Donc moi, je nous engage collectivement à adopter une formulation qui est, sur le point juridique, très claire et qui protège les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est l'amendement 66, en repli le 67, mais en l'état, en tout cas, les finalités, renvoyées aux finalités 1, 2 et 4 de manière globale, c'est beaucoup trop large sur le champ d'application. Moi, je suis assez rassuré sur, effectivement, le fonctionnement de la CNCTR.
logique, etc. C'est vrai, il y a des pare-feux, il y a des garde-fous, ils font pas n'importe quoi. C'est assez vrai, mais on peut pas viser l'ensemble des finalités. Et vraiment, il y a un sujet sur le champ qui est beaucoup trop large. Je vous remercie. Merci d'avoir défendu ces deux amendements en même temps. Le 20, Madame Pic. Oui, merci. Eh bien, de la même façon, effectivement, l'amendement que nous posons, c'est celui qui permet de clarifier et de bien cadrer de quoi nous parlons et de quoi parle cet article 3. Donc, nous proposons de restreindre les finalités au nom desquelles pourrait être mis en œuvre un algorithme de surveillance, en tout cas de clarifier les intitulés, puisque l'intitulé de cette proposition de loi concerne la lutte contre les ingérences étrangères, eh bien, nous proposons de cantonner l'extension des finalités à cette seule mention. Et monsieur le rapporteur, sur ces amendements. Alors, vous avez vu que dans la proposition de loi, il y a des choses sur lesquelles nous avions évolué, nous avons discuté, et puis il y a des choses sur lesquelles nous étions assez sûrs dès le départ, et c'est notamment la rédaction des précisions des finalités qui sont visées à l'article 3 pour la question des ingérences étrangères. Et le double dispositif que nous proposons, c'est le fait, un, de viser certaines finalités pour l'application d'une technique de l'algorithme aux données de connexion et par extension aux URL, puisque c'est la loi de 2021, et donc de dire que l'on vise les finalités numéro 1 sur les intérêts fondamentaux de la nation, et la finalité numéro 2 sur les ingérences étrangères, tout en précisant que c'est bien les ingérences étrangères que nous recherchons dans ces deux finalités, pour que ça restreigne le champ. Et le seul fait de viser d'abord les finalités et ensuite de préciser ce que nous recherchons dans les finalités du Code de la sécurité intérieure, ça a un effet qui restreint le champ de la proposition de loi. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas que l'on revienne ni sur la mention des finalités, ce sera l'objet des amendements qui vont suivre, la finalité numéro 1 et la finalité numéro 2, ni sur le fait de remonter la mention des ingérences étrangères dans les articles que vous voulez mentionner, parce que soit pour votre amendement numéro 66, M. Ordanoff, ça aurait pour effet d'élargir très largement l'application des données de l'algorithme aux données de connexion, si, sur le 66, pas sur le 67 et le 20, soit ensuite sur le 67 et le 20, là ça aurait un effet restrictif dans vos amendements, puisque ça viendrait exclure les cyberattaques du champ de l'application des données de connexion, enfin de l'algorithme aux données de connexion, et donc ça aurait un effet un peu évasif, ou en tout cas restrictif sur le champ, et c'est ce que je ne veux pas, parce que c'est une des manières de faire de l'ingérence étrangère en France aujourd'hui, que d'avoir recours à des cyberattaques qui sont ciblées, coordonnées par une puissance étrangère, ou par un démembrement, ou par un cercle de hackers que nous connaissons. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment très attaché à ce que nous conservions sur ce principe la rédaction que nous avons préparée, qui a été vérifiée lors des auditions, et que nous avons fait à la fois revoir et par les services de l'État, et par les services de renseignement, et qui me paraît tout à fait appropriée dans le calibrage de ce que nous recherchons. Donc avis défavorable à cette série de trois amendements. Monsieur le ministre. Même avis. Monsieur Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Je reviens un instant sur la question de la CNCTR. J'entends Monsieur Ordanoff qui dit qu'il est parfaitement rassuré par les propos de notre collègue Le Grip. Bon, tant mieux pour lui. Mais en la matière, Madame Le Grip, vous nous avez fait part du fait que vous aviez été satisfaite dans votre travail à la CNCTR dans le mandat précédent. Tant mieux. Mais le fait est que moi, ce que je pointais, c'est que l'actuel CNCTR et tout son collège de parlementaires, sénateurs et députés, avaient manifesté la volonté d'obtenir des prérogatives supplémentaires pour organiser, pour avoir la possibilité d'exercer un contrôle en direct sur les techniques de renseignement. Ça signifie bien qu'à l'heure actuelle, les membres dans notre assemblée, donc Mme Tabarot et M. Chenevard, considèrent qu'ils n'ont pas les moyens requis pour exercer un contrôle sur ces techniques. Vous avez évoqué tout à l'heure le GIP, mais je vous signale que quand même, on a eu un scandale dans cette affaire l'été dernier. On s'est rendu compte que l'intérimaire de service pouvait se donner la prérogative de signer comme ça des autorisations de contrôle sans que personne à Matignon ne lève le petit doigt. Donc permettez-moi de vous dire que les pare-feux, ça c'est ce qui a réussi à parvenir jusqu'à nos oreilles grâce au travail de certains journalistes. Mais j'imagine encore ce qui a pu nous échapper. Donc ne venez pas nous dire encore une fois que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça n'est pas vrai. Et encore une fois, c'est M. Chenevard et Mme Tabarot qui faisaient cette demande. C'est pas moi. Donc d'ailleurs, ils ne sont pas ici. Je le regrette.
je ne les mets pas en cause, ils ont sans doute d'excellentes raisons, mais ça aurait été éclairant pour notre Assemblée de les entendre évoquer ce sujet-là. Quant à la réponse, quant aux amendements spécifiquement, on voit bien que d'une certaine façon, ils ne font qu'avaliser leur raisonnement, qu'on peut étendre ad libitum le nombre des cas dans lesquels on peut utiliser les techniques de renseignement les plus intrusives, et nous ne prêterons pas les mains à ce genre de fantaisie. Monsieur Yordanov. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur le rapporteur de son explication. Ceci étant dit, je ne vois pas dans la rédaction de l'article qu'est-ce qui va chercher à l'intérieur des finalités la question uniquement des ingérences étrangères. Et j'ai soulevé tout à l'heure la question de l'exécution des engagements européens et internationaux de la France. Qu'est-ce qui, dans le texte, nous garantit que ces finalités-là sont exclues du champ des algorithmes? Je vous remercie. Merci. C'est un scrutin public qui nous mobilise. Vous vouliez redire un mot, monsieur le rapporteur? Non? Non? Alors, sur le 66, je vous laisse retourner à vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 132, exprimé 116, majorité 59 pour 7 contre 109. Il n'est pas adopté. Sur le 67, on vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 131, exprimé 118, majorité 60 pour 9 contre 109. Il n'est pas adopté. Et à main levée, le 20, qui est pour, contre, rejeté. Le 68, monsieur Yordanov, on continue avec vous. Merci, monsieur le Président. Je m'excuse de devoir insister, mais cet amendement vise à supprimer la finalité 2. Je voudrais quand même avoir une réponse sur la question des engagements européens et internationaux de la France. Ce n'est pas un petit sujet. On a besoin d'avoir des choses assez précises sur cette matière. Merci. Monsieur le rapporteur. C'est pour ça que je ne vous ai pas répondu tout à l'heure, parce que je savais qu'on y reviendrait avec le 68. En fait, il faut dans la logique, dans la façon dont est rédigé l'article, il faut regarder que nous visons les finalités du code de la sécurité intérieure en disant à quel moment on peut appliquer la technique de l'algorithme aux données de connexion ou aux URL. Donc dans les finalités qui sont visées, pour l'instant seulement la 4, pour l'antiterrorisme, et désormais, avec, si nous l'élargissons, la première ou la deuxième. La première, vous la connaissez, c'est les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, et la deuxième, c'est les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux, ce qui vous pose principalement la question, et les ingérences étrangères. Et au final, nous venons préciser que dans ces finalités, ce que nous allons rechercher, donc dans la finalité 1 et 2, ce sont les ingérences étrangères. Tout ça pour dire que, au final, parce qu'on ne peut pas segmenter, précisément, comme on ne peut pas segmenter les finalités entre elles, et comme on ne peut pas dire dans la finalité numéro 2 ce que je vais rechercher, c'est tel type de choses, nous venons préciser ensuite dans la rédaction de l'article 3, si vous le prenez, et je crois qu'il y a un alinéa ensuite qui vient préciser que c'est aux seules fins de... Je regarde juste l'alinéa, si vous voulez bien que je l'observe, pour avoir le texte de référence. Comme ça, je vous réponds précisément. Hop là. C'est l'alinéa 4 qui dit sont ajoutés ou toute forme d'ingérence ou tentative d'ingérence étrangère. Et là, on vient préciser le cadre qui est en réalité un entonnoir, mais comme ce que nous avons précisé pour le quatrièmement. Non, au contraire. En fait, il ne faut pas voir le 4, l'alinéa 4, comme quelque chose qui rajoute, mais qui, dans les finalités numéro 1 et 2, restreignent le champ de ce qui peut être recherché pour l'utilisation de la technique algorithmique. Et c'est précisément comme ça. Et donc, a fortiori, on imagine mal qu'on pourra chercher ça pour appliquer l'algorithme pour l'exécution des engagements européens et internationaux de la France, parce que précisément, ça ne trouverait pas à s'appliquer en termes d'ingérence. Mais comme on ne peut pas découper les finalités du Code de sécurité intérieure, eh bien, on vient préciser dans le cas dans lequel ça s'applique. C'est la raison pour laquelle on a fait ce double registre, un, viser les finalités, deux, viser l'objectif des finalités dans lesquelles on recherche, et donc avoir ce côté restrictif en entonnoir de la rédaction de l'article. Et donc, parce que je pense que vous êtes satisfait dans le principe de ce que vous défendez, j'émets un avis défavorable à votre amendement. Monsieur le ministre, même avis, monsieur Yordanov. Merci, monsieur le président. Alors,
autant je suis convaincu par vos propos et votre logique, et je vous suis. Si vous allez chercher dans ces finalités uniquement les tentatives d'ingérence étrangère, ça me convient. Mais quand je lis l'article, d'abord on vise les finalités, et ensuite c'est ajouté « ou toute forme d'ingérence ou tentative étrangère ». Si c'était écrit dans l'autre sens, si c'était écrit « on vient chercher les formes d'ingérence ou toute tentative d'ingérence étrangère dans les finalités 1, 2 et 4 », moi, ça me va. Mais dans la manière dont c'est écrit, je pense que le juge, il regarde le texte, il ne comprend pas les choses dans votre explication. Monsieur le rapporteur. C'est écrit « ou toute forme d'ingérence ou tentative d'ingérence » parce qu'on vient rajouter l'antiterrorisme. Et en réalité, dans les finalités qui sont aujourd'hui existantes, on a la finalité numéro 4 pour laquelle on ne va chercher que l'antiterrorisme. Et donc là, il y a bien le côté entonnoir pour la finalité 4 et l'antiterrorisme qui est précisé comme application de l'algorithme aujourd'hui. Et comme on vient rajouter, en plus de la finalité 4, les finalités 1 et 2, eh bien, pour ce qui concerne ce qu'on va rechercher dans ces finalités-là, terrorisme ou tentative d'ingérence ou ingérence étrangère. Donc la technique de l'entonnoir qui définit les objectifs dans le cadre de la finalité, elle s'applique tout à fait. Et il faut bien lire les dispositions comme cumulatives, donc restrictives, parce qu'on vient préciser exactement ce que je précisais à Mme Ménard tout à l'heure quand je disais qu'il ne fallait pas définir les ingérences que l'on allait rechercher en ajoutant l'ingérence universitaire dans le rapport. Parce que ça veut dire que ce serait à l'exclusion de toutes les autres. Là, pour le coup, c'est un cas d'espèce où on cherche précisément à restreindre. Donc, parce que l'on précise dans la loi, on restreint le champ par rapport aux finalités qui sont mentionnées au Code de la sécurité intérieure. Voilà l'idée qui est la rédaction que nous proposons. Merci. Nous passons au vote sur cet amendement 68 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour. Contre, rejeté. Le 138, Madame Youssoufa. Merci, Monsieur le Président. Vous le présentez. Alors, 140. Oui. Une présentation bien commune. Sûr, Monsieur Merci. Le Président. Pour l'amendement 138, il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à préciser dans la nouvelle rédaction de l'article 851-3 du Code de la sécurité publique de garantir la finalité. C'est-à-dire qu'elle recouvre bien toutes les menaces contre l'intégrité territoriale de la France. Il s'agit bien sûr d'outiller notre pays de manière complète pour faire face aux ingérences et à la déstabilisation organisée par les Comores et la Russie, visant spécifiquement Mayotte, leur objectif étant d'amputer notre territoire national. Pour l'amendement 140, cet amendement vise à préciser les finalités autorisant les recours pour les services de renseignement à la technique dite des boîtes noires et à ajouter la notion de déstabilisation ou de tentative de déstabilisation portant atteinte à l'ordre public, à la sécurité sanitaire, à la stabilité ou l'intégrité du département de Mayotte. Je veux ici vous alerter sur la situation que l'on observe sur le terrain avec une instrumentalisation des flux migratoires orchestrés par les Comores qui organise des arrivées massives de migrants sur notre île et cela déstabilise notre système sanitaire, notre système scolaire, j'en ai déjà parlé. À titre d'exemple, je veux vous renvoyer à l'arrivée la semaine dernière du premier cas de choléra à Mayotte. Une personne atteinte du choléra qui est arrivée en Kwasa Kwasa illégalement en provenance des Comores. Notre seul hôpital est en alerte à Mayotte avec un énorme risque sanitaire, une population extrêmement pauvre. C'est de ce type de déstabilisation dont je parle. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Alors, d'abord, moi, je peux dire que je partage les objectifs qui sont les vôtres. Je l'ai même dit à Mayotte la première lorsque je me suis rendu à Mayotte avec vous, en reconnaissant que, d'abord, un, les Comores exercent une ingérence étrangère vis-à-vis de Mayotte et donc vis-à-vis de la France, que, deux, cette ingérence, elle est appuyée par les services russes qui sont directement ingérés dans le processus électoral en soutenant le président sortant et en l'aidant à manipuler l'opinion, et que, trois, il appuyait toutes les opérations de déstabilisation de Mayotte par rapport à la pression migratoire qu'il exerce. Et nous avons pu nous rendre compte ensemble, par toutes les visites de terrain que nous avons conduites, de la façon dont elle prenait corps et donc de la façon dont tous les Kwasa Kwasa arrivaient sur les côtes mahoraises aujourd'hui dans des proportions qui sont hallucinantes et insupportables pour l'archipel de Mayotte. Sur les rédactions que vous proposez,
je vous rassure, elles sont d'ores et déjà prévues parce que ce que vous faites pour le 138 et le 140, c'est que vous venez définir ce que ce pourrait être la caractérisation des ingérences. Or, ces ingérences, elles sont déjà couvertes au titre des finalités numéro 1 et 2, et encore plus, comme elles caractérisent une forme d'ingérence étrangère, eh bien, elles sont couvertes par le champ. Et donc, ce que je vous demanderai, c'est un retrait parce que vous êtes satisfaite par la rédaction qui est actuellement en fait, sans avoir besoin de préciser ces ingérences, toujours selon le principe de spécialisation, parce que si on le précise, c'est par exception à tout ce que nous ne préciserons pas. Monsieur le ministre. Même avis. Madame Youssoufa. Je souhaite maintenir, monsieur le président. Les deux sont maintenus. Eh bien, nous passons au vote sur le premier, le 138. Vous y tenez, monsieur Boucard? Vous voulez vraiment la parole? Allez-y, monsieur Boucard. Merci pour votre bienveillance, monsieur le président. Ben oui, c'est ça. Pour soutenir notre collègue Estelle Youssoufa, parce que s'il y a bien une ingérence étrangère sur notre territoire qui est importante, c'est celle des Comores sur le territoire de Mayotte. Et effectivement, je suis comme nous tous ici, à part Madame Youssoufa et Monsieur Kamardine, extrêmement loin en réalité de Mayotte. Et sans doute qu'on ne se rend pas bien compte si on n'a pas été sur le terrain, si on n'a pas regardé ce qui se passe précisément à Mayotte, de l'ingérence étrangère exercée par le territoire des Comores sur Mayotte. Et sans doute que s'il y avait ne serait-ce que 10% de cette ingérence qui soit exercée dans le territoire de Belfort, dans les Vosges, dans les Ardennes, dans le Nord-Pas-de-Calais, par un autre pays que les Comores à Mayotte, sans doute ici nous serions révoltés, nous signerions des pétitions, que nous manifesterions. Et ce n'est pas parce que Mayotte est loin, ce n'est pas parce que les Mahorais sont pacifiques, parce qu'il faut bien se rendre compte de ce qui se passe à Mayotte, il faut bien se rendre compte du courage, de l'abnégation et de la résilience des Mahorais, que nous ne devons pas réagir. Et moi je voudrais qu'on se rende bien compte que Mayotte est un département français comme les autres, comme les Vosges, comme le Nord-Pas-de-Calais, comme le territoire de Belfort, alors nous devons soutenir plus fortement Mayotte. Et sans doute que dans cette loi, nous devons inscrire un dispositif particulier pour Mayotte, parce que la situation à Mayotte n'a rien à voir avec ce que nous vivons ailleurs en métropole. Je vous remercie. Merci, M. Boucard. Vous m'aviez dit que vous seriez rapide. C'est pas parce que vous citez le Nord-Pas-de-Calais que... Hein, bon. Allez, on vote sur le 138, un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Le 140 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Nous sommes... Je vous informe que sur le vote de l'amendement 21, le groupe Rassemblement national demande un scrutin public. Il est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je suspends la séance pour 5 minutes.
La séance est reprise. Le 107, qui le présente, M. Coulombe ? Merci, M. le Président. Donc ici, dans cet article 3, nous souhaitons que les seules mesures visées soient celles qui soient circonscrites aux finalités des articles prévus au premièrement, deuxièmement et quatrièmement de l'article L811-3. Nous voulons nous assurer que les seules données détectées, susceptibles ensuite de justifier l'identification des personnes concernées et le recueil de leurs données, qui peuvent être tout à fait sensibles, bien évidemment, soient celles visées par ces fameuses finalités. La réécriture de l'article L851-3 du Code de la sécurité intérieure, proposée par cet article 3, laisse bien trop de possibilités de place à la subjectivité et à l'interprétation. Jusqu'ici, la menace dans l'article existant était circonscrite aux menaces d'ordre terroriste. Or là, dans cette écriture-là, eh bien, désormais, nous aurons la possibilité d'avoir une approche arbitraire des menaces et qui représente bien évidemment une atteinte aux droits, aux libertés, une atteinte à la vie privée et qui permettent également un recueil des données raciales ou ethniques ou bien philosophiques ou religieuses. Donc vous comprenez pourquoi nous nous opposons particulièrement à cet article. En plus, vous avez déjà été alerté, chers collègues, un petit peu dissipé, vous avez été alerté sur le fait qu'il s'avère que cet article 3 pourrait être non conforme et repoussé par le Conseil constitutionnel, comme l'ont été d'ailleurs de nombreux autres articles dans d'autres lois que vous avez tout aussi mal écrites, il faut le dire, sur le plan technique. Bah oui, il faut assumer. Regardez le nombre de fois où vous êtes repoussé par le Conseil constitutionnel ou en raison des atteintes à la vie privée et aux droits fondamentaux. Bien. Et cet amendement vise également à ce que les données collectées soient garanties dans leur destruction si elles ne rentrent pas dans le cadre des finalités visées par les dispositions prévues à l'article 811-3. Eh bien, monsieur le rapporteur, défavorable, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, même avis. Nous passons au vote sur le 107, avis défavorable, qui est pour, contre, rejeté. Le 22, madame Pic. Oui, merci. Dans l'optique... Alors, attendez, non, c'est l'autre. Hop, pardon. Voilà. Dans l'optique, évidemment, d'avoir des garanties démocratiques suffisantes... Voilà, et eu égard évidemment à l'aspect particulier de cet algorithme, en fait, cet amendement vise à prévoir que les modifications apportées à l'algorithme de surveillance prévue par le présent texte soient soumises à un avis conforme de la CNCTR et de la CNIL. Ainsi, voilà, la CNIL a relevé quand même que cette technique de renseignement est particulièrement intrusive et nécessite à ce titre d'être paramétrée de manière strictement proportionnée aux finalités poursuivies. Aussi, il nous paraît important de mieux encadrer le paramétrage de cette technique en soumettant l'élargissement des finalités justifiant son recours à un avis conforme de la CNCTR. Et voilà un peu l'idée de cet amendement. Vous présentez le 21 avec... Allez-y pour le 21 de la même façon. Voilà, c'est une question de garantie démocratique. Et donc, on souhaite... que les modifications soient soumises à l'avis conforme de la CNCTR, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas ensuite demander un avis du Conseil d'État, mais s'arrêter à l'avis conforme de la CNCTR et donc revoir les paramétrages si l'avis est non conforme de cette commission. Merci. Merci, madame la députée, monsieur le rapporteur. Bon. C'est un point important parce qu'il s'agit du contrôle qui est opéré à la fois par une AI et ensuite par une juridiction sur la mise en place d'un algorithme. Alors pour que chacun comprenne, lorsque les services de renseignement ont élaboré un algorithme pour s'appliquer à des données de connexion, ils ne vont pas tout de suite le mettre en application, ils vont le soumettre à la CNCTR, dont j'ai rappelé la représentation qui était composée aussi de parlementaires, pour recueillir son avis. Et au fond, même si ça n'est pas écrit comme tel, et le Conseil d'État le reconnaît, je vais vous lire l'avis qu'il a rendu sur ce sujet, c'est considéré comme un avis conforme d'ores et déjà, puisque si jamais l'avis que sollicite le Premier ministre
auprès de la CNCTR pour mettre en place l'algorithme sur les données de connexion n'est pas conforme, ça déclenche automatiquement la saisine du Conseil d'État. Alors c'est ce qu'a dit effectivement le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi terrorisme et renseignement de 2021, en considérant que ce choix qui combine un mécanisme d'avis conforme d'une autorité indépendante avec celui d'un contrôle préalable et effectif d'une juridiction lorsque le Premier ministre passe outre l'avis défavorable de la CNCTR, assure une mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. Il y avait effectivement une discussion à ce moment-là de cette conformité. Donc au fond des choses, vous êtes satisfaite. Il y a un débat sur lequel en réalité nous sommes en désaccord, c'est que si on prévoit l'avis de la CNCTR comme autorité administrative indépendante, en revanche, je suis en désaccord sur ce sujet, sur l'avis de la CNIL, puisque la seule AI qui est compétente en la matière, c'est bien la CNCTR, à l'exclusion donc de l'avis de la CNIL. Et c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à vos deux amendements. Merci, monsieur le ministre. Même avis. Monsieur Lachaud. Oui, merci, monsieur le président. On voit bien que là, le sujet qui nous occupe nous ramène à la CNCTR. Et le vrai souci, et monsieur le rapporteur, vous n'y avez pas répondu, ce n'est pas tant l'avis conforme ou l'avis de la CNCTR ab initio, mais le vrai problème, ce sont les capacités de contrôle de la CNCTR sur la mise en œuvre de ce contrôle par algorithme. Or, aujourd'hui, la CNCTR n'a pas les moyens d'exercer un contrôle en temps réel sur les actions des services de renseignement. À partir du moment où il n'y a pas de contrôle en temps réel, eh bien, le contrôle, de fait, est illusoire. Et c'est ce que nous débattions, c'est ce dont nous débattions en CMP de la LPM, où, en effet, les membres présents de la CNCR avait déposé des amendements pour demander ce pouvoir de contrôle en temps réel. Le gouvernement a bloqué la CMP le temps qu'il a fallu jusqu'à ce que ces amendements soient retirés. Donc il y a là la volonté du gouvernement d'empêcher les parlementaires que nous sommes et qui sommes représentés à la CNCTR de pouvoir contrôler en temps réel les services de renseignement. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il et a-t-il refusé que ce contrôle en temps réel puisse s'opérer? Donc il y a là un problème, et donner plus de moyens aux services de renseignement par le contrôle algorithmique pose un problème tant que la CNCTR ou un autre organe ne peut pas contrôler en temps réel les services de renseignement. Monsieur le rapporteur. Sur le papier, pour quiconque ne connaît pas le mécanisme de la CNCTR, vos arguments sont plaisants, monsieur Lachaud. Mais en fait, ils ne résistent pas du tout à l'examen de ce que effectivement la CNCTR. D'abord, la CNCTR, elle peut autoriser ab initio, donc dès que le Premier ministre en fait la demande, l'application de l'algorithme ou de la technique de renseignement. C'est-à-dire qu'il peut dire oui ou non, dès le départ, dans son avis, qui, on le rappelle, est conforme, parce que s'il n'est pas conforme, il déclenche la saisine du Conseil d'État sur une procédure d'appel. Et ça n'est pas ab initio qu'elle peut le faire. C'est tout au long du processus. C'est à chaque fois que le processus est mis en œuvre. Et donc, elle peut dire, là, j'ai un doute, donc je peux revenir sur l'autorisation que j'ai donnée et le faire. Sans compter que, ensuite, quand la CNCTR a donné, ça n'est pas que le champ de la CNCTR qui s'applique. C'est logique. Et donc, ce n'est pas les services qui vont utiliser tout seuls leur algorithme qui s'appliquera aux données de connexion, mais c'est le groupement d'interception et de communication du gouvernement qui va pouvoir procéder à l'interception et donner au service les données qui sont extraites. Donc tout ça n'est pas abstrait, tout ça n'est pas flou, tout ça n'est pas le grand filet dérivant que vous nous décrivez, mais tout ça est très précisément encadré et peut faire l'objet d'un contrôle qui est ponctuel à chaque fois que l'on l'estime nécessaire. Mais à chaque fois que la CNCTR l'estime nécessaire. La CNCTR, ça n'est pas n'importe qui, c'est une autorité administrative indépendante, et l'indépendance vaut à l'égard du gouvernement, ce qui garantit finalement toute la protection des libertés fondamentales. Je sais que vous ne croyez pas en l'état de droit, c'est la manifestation que vous dites, que vous faites dans tous les témoignages que vous décrivez. Vous créez aussi une insécurité ou finalement de la suspicion autour de ce système, et ce mécanisme, il a été contrôlé par le Conseil d'État dans l'avis que je vous ai lu tout à l'heure, contrôlé par le Conseil constitutionnel lorsque les lois lui ont été déférées pour la question de l'antiterrorisme, et il s'opère de façon très concrète dans la protection des libertés fondamentales. Donc je vous prie de faire confiance à tout le dispositif qui a été contrôlé à de nombreuses reprises. Merci. Je donne la parole à M. Kervran et ensuite on passera au vote.
Oui, merci Monsieur le Président. Juste une précision pour dire que ce débat sur le contrôle en temps réel de la technique algorithmique n'a pas de sens en fait. Pourquoi ? Parce que les services de renseignement n'ont pas accès aux données qui sous-tendent l'algorithme, et même lorsqu'il y a un hit, lorsqu'il y a une identification à suivre, ils ne peuvent pas faire identifier sans un accord de la CNCTR. Et donc, de facto, il y a un contrôle en temps réel, parce que à chaque fois qu'un service a besoin d'identifier une personne par rapport aux données de connexion qui auraient produit des résultats, ils doivent... les services doivent repasser par une autorisation de la CNCTR. Merci. Nous passons au vote sur l'amendement 22, qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Contre ? Rejeté. Le 21, même avis, mais c'est un scrutin public. Chacun est à son pupitre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votants 123, exprimés 113, majorité 57 pour 13 contre 100, il est rejeté. Amendement 162, monsieur le rapporteur. Là encore, c'est un amendement important parce que c'est celui qui prévoit la disparition, si nous ne légiférions pas à nouveau, des dispositions que nous introduisons. Et donc, ça garantit le caractère expérimental puisque, faute de faire un nouvel acte législatif, eh bien, elle disparaîtrait du code d'un trait de plume. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, favorable. Nous votons sur le 162, qui est pour, contre, il est rejeté. L'amendement numéro... Oui, il est rejeté. Oui, il est rejeté. Il est rejeté. Vous avez raison, il est possible que je... Enfin, on revote, ça vous ennuie pas, on vote à main levée. Je veux pas... Donc le 162, qui est pour... Contre. Pardon, il est adopté, vous avez raison. Pardonnez-moi, le 10. Et non, ça fait chuter le 10, et ça fait chuter jusqu'au 77. Hein. Le 18 saute, et le 77 tombe également. Et je vous informe que sur l'article 3, je suis saisi par le groupe GDR d'une demande de scrutin public. Monsieur Boucard, ne me déconcentrez pas, j'ai déjà du mal, visiblement. Et maintenant, nous sommes sur l'amendement 73. Qui le défend au groupe démocrate, Mme Desjonquière ? Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à rétablir la durée de l'expérimentation à 3 ans, comme le prévoyait initialement la proposition de loi. Merci, Monsieur le rapporteur. Je crois que j'ai pas le bon amendement, mais j'ai entendu la justification qui a été portée par Mme de Jonquière. On préférera l'expérimentation à 4 ans pour deux raisons. D'abord, pour une raison qui est celle de la cohérence avec les interceptions satellitaires qui avaient été faites dans la LPM. Et ensuite, parce que l'on sait que pour développer un algorithme, soit on peut aller très vite sur certains aspects, et on imagine que les services ont déjà certaines idées en tête. En revanche, sur d'autres qui pourraient être particulièrement intéressantes pour elles, il faut pouvoir calibrer les choses, notamment pour la DGSE, établir un processus. Et on sait que pour les premiers algorithmes qui avaient été développés, 2 ans avaient été nécessaires pour créer l'algorithme. Et donc, si l'on crée finalement une expérimentation qui ne dure que 3 ans, ça veut dire que la durée réelle d'utilisation de l'algorithme, ce sera une année utile, ouverte. Et donc, ça paraît nettement insuffisant, d'abord pour le mettre en œuvre, mais ensuite pour évaluer. Et c'est la raison pour laquelle, en commission, nous avons étendu à 4 ans. Donc, je vous demanderai un retrait de votre amendement, s'il vous plaît. Ministre, même avis, Madame Desjonquière, il est retiré. Nous sommes maintenant sur des amendements qui sont en discussion commune. Avec le 51, Madame Ménard. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un amendement qui fixe une date plus rapprochée pour le rapport que le gouvernement remettra au Parlement, puisque la technique qui est visée dans cet article 3, la technique dite de l'algorithme, n'est pas anodine et a suscité déjà de nombreux débats lors des discussions de la loi SILT. Et donc, étant donné la sensibilité du sujet et notamment les risques qui concernent la protection de la vie privée de nos concitoyens, il serait, me semble-t-il, tout à fait pertinent d'avancer la date à laquelle le gouvernement remettra au Parlement son rapport sur l'application
de cet article 3. Je vous remercie. Le 19, Madame Pic. Et merci, Monsieur le Président. En fait, effectivement, cet amendement vise à réduire le délai laissé au gouvernement pour remettre son rapport d'évaluation. Nous avons estimé que la période de 4 ans était relativement longue pour cette expérimentation. Nous avons entendu les arguments en commission sur ces 4 années du fait de la mise en place, du paramétrage et de la façon dont était construit cet algorithme. Mais il nous paraît du coup nécessaire que les membres de la représentation nationale disposent d'informations relatives à l'évaluation de leurs décisions afin de pouvoir, le cas échéant, en modifier le sens. En fait, voilà, ça permettra d'avoir un délai qui est raisonnable et qui permet de réorienter éventuellement au regard de ce qu'est cet algorithme. Et c'est donc un rapport à mi-parcours qui nous permet d'évaluer le chemin à parcourir. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. D'abord, moi, je remercie d'avoir entendu l'argument qu'on a développé pour la question de l'extension à 4 ans. Et donc, comme vous avez entendu notre argument, moi, je propose de retenir le vôtre, de dire que, puisque nous avons étendu à 4 ans, eh bien, une évaluation sera nécessaire au bout de 2 ans sur la façon dont nous mettons en œuvre, ce qui permettra de vérifier, par ailleurs, si les services ont été capables de solliciter la mise en œuvre d'un algorithme au bout de 2 ans. Et donc, j'ai mis un avis favorable à l'amendement 19. Madame Ménard, vous avez la même logique, mais je préfère qu'on puisse retenir l'évaluation à mi-parcours, qui a été proposé par Mme Pic, et donc je vous demanderai un retrait pour qu'on conserve le principe de l'amendement, mais qu'on adopte celui de Mme Pic, le 19, auquel j'ai mis un avis favorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Demande de retrait sur le 51 et sagesse sur le 19. Merci, Mme Ménard. Il est maintenu. Alors, nous votons sur ces amendements à main levée. Sur le 51, qui est pour ? Contre ? Il est rejeté. Et sur le 19, qui a reçu un avis favorable du rapporteur et de sagesse du gouvernement, qui est pour, contre, il est adopté. Nous sommes maintenant sur un amendement qui fait l'objet de sous-amendements, le 163, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, sur cet amendement. Et le sous-amendement 174, madame Untermaier. Merci, Monsieur le Président. En fait, cet amendement avait été adopté en commission des lois et il s'agissait de l'amendement de notre groupe qui a été modifié dans sa rédaction. Et nous souhaiterions réintroduire par le sous-amendement une notion qui nous paraissait importante à apporter dans le rapport, à savoir la notion de masse, les masses identifiées. Identifier les masses d'algorithmes utilisés au regard des alertes qui auraient été effectives. Merci. Monsieur le rapporteur, sur le sous-amendement. Effectivement, on a un tout petit peu réécrit l'amendement de Mme Pic en gardant tous les principes de ce qu'elle avait voulu. D'abord, pour préciser les informations qui pourront être rendues publiques dans le respect des règles intéressant à la sécurité nationale et pour protéger le secret de défense. En revanche, on n'a pas gardé la variation induite par les masses de données traitées parce que la réalité, c'est que tout ça passe au tamis de l'algorithme et qu'en réalité, il n'y a pas besoin de personnes humaines supplémentaires puisque tout ça est traité de manière informatique par l'intelligence artificielle. Donc on estime qu'il n'y a pas besoin de recrutement supplémentaire pour cela. Donc c'est un avis défavorable ou une demande de retrait sur le sous-amendement. Monsieur le ministre, même avis, Madame Untermaier. Vous maintenez ? Il est maintenu. On vote le sous-amendement. On vote le sous-amendement 174 qui est pour ? Contre ? Rejeté. Et on vote l'amendement 163 qui est pour ? Contre ? Adopté. Le 56, Madame Ménard. Merci, Monsieur le Président. Et si vous le voulez bien, je défendrai les deux amendements même temps. Le 56 est un amendement, en fait, une espèce de mesure de précaution supplémentaire. On l'a dit, on l'a répété, mais je pense que tout le monde sera d'accord sur ces bancs pour dire que la technique de renseignement de l'algorithme est certainement la mesure la plus sensible de ce texte. Et quand on est confronté aux difficultés d'évaluation a priori de cette mesure, il me semble qu'une des solutions pourrait être de prévoir un nouveau vote sur ce sujet
dans 4 ans, lorsque le Parlement pourra légiférer en connaissance de cause avec un bilan chiffré. Ça, c'est l'amendement 56. L'amendement 55 est également une mesure de précaution, mais différente, puisque en tant que régulateur des données personnelles, la CNIL se doit de contrôler tout dispositif susceptible de porter atteinte à la protection des données personnelles des Français. Et étant donné que l'article 3 vise à recourir à une technologie de croisement de données algorithmiques qui est encore un peu mal connue, puisqu'elle est pour l'instant uniquement réservée aux actes de terrorisme, est susceptible de porter justement atteinte à la protection des données personnelles des Français et à leur liberté, il convient dès lors de s'assurer que celles-ci sont bien protégées par un contrôle de la CNIL. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, vous pouvez nous donner votre avis sur les deux amendements? Alors, pour ce qui concerne le 56, je vous renvoie à l'amendement 162 que nous venons d'adopter, qui prévoit qu'à l'expiration de la durée de 4 ans, on réécrit la disposition de l'article 851-3 que nous modifions à l'identique de ce qui préexistait, donc avant notre intervention législative. Donc ça veut dire que vous êtes satisfaite dans le principe puisqu'on remet les choses en l'état sans intervention du législateur. Ça, c'est pour votre amendement 56 que je vous demande de retirer par conséquent. Quant au 55, j'ai déjà donné les arguments pour lesquels j'estimais que ça n'était pas la CNIL qui était l'autorité administrative indépendante compétente en matière de code de sécurité intérieure et précisément pour les finalités que nous étudions, mais la CNCTR. Et donc c'est la raison pour laquelle, sur celui-ci, j'ai un avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Boucard. Merci, monsieur le président. Je serai très bref. Je crois que madame Ménard a raison de vouloir mettre des garde-fous. Des garde-fous via ces amendements dans cet article 3. On avait proposé, nous, au groupe Les Républicains, d'inscrire dans la loi que ce dispositif était inscrit à titre expérimental. Votre amendement, monsieur le rapporteur, a fait tomber le nôtre, malheureusement. Mais je crois que madame Ménard a raison de mettre des garde-fous. Nous sommes plutôt favorables à cet article 3, même très favorable, Emmanuel Antoine a raison de le rappeler, Maxime Minot également, mais en réalité, c'est comme des dispositifs qui pourraient être perçus comme liberticides. Et je crois qu'il faut être d'abord d'accord pour qu'il soit inscrit à titre expérimental et qu'il soit ensuite éventuellement déployé sur le long terme s'il donne satisfaction. C'est pour ça que nous soutiendrons au groupe Les Républicains les amendements 56 et 55 d'Emmanuel Ménard. Très bien. Merci, M. Boucard. Ne commencez plus vos interventions par « je vais être très bref » parce qu'à chaque fois, ce n'est pas vrai. Vous ne l'êtes jamais. Donc, commencez. Allez, sur le 56, car c'est un avis défavorable, qui est pour ? Contre, rejeté. 55, qui est pour ? Contre, rejeté. Et nous sommes sur l'article 3, c'est un scrutin public. Chacun est à son pupitre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 116, exprimé 113, majorité 57 pour 106 contre 7, il est adopté. Nous sommes sur l'article additionnel après l'article 3. Madame Ménard. Oui, merci Monsieur le Président. Je serai très bref parce que c'est un amendement que j'ai déjà eu l'occasion de défendre en commission. L'objectif de cet amendement est double. D'une part, il vise à étendre le champ d'application de l'article L811-3 du Code de la sécurité intérieure et donc des services de renseignement français. Et puis, d'autre part, il permet d'alléger la rédaction de l'article L851-3 du Code de la sécurité intérieure qui renvoie au 1, 2 et 4 de l'article L811-3. C'est un peu technique, c'est juste, c'est simplement pour inclure en fait dans cette, après l'article 3, non seulement l'ingérence, mais aussi la tentative d'ingérence. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. En fait, par rapport à ce qu'on le faisait sur l'entonnoir que je vous décrivais tout à l'heure, nous on précise que c'est toute tentative et toute ingérence dans la finalité que, enfin, dans ce qu'on recherche comme objectif et pas dans les finalités, et vous remontez toute tentative au niveau des finalités elles-mêmes, et je pense que ce que nous avons positionné dans l'article 3 correspond mieux à ce que nous recherchons, c'est-à-dire définir les grandes finalités et ensuite aller rechercher l'ingérence ou la tentative d'ingérence. Et remonter les tentatives au niveau des finalités, ce serait moins précis que ce que nous avons écrit dans l'article 3. Monsieur le ministre, même avis. Nous passons au vote sur le 52, qui est pour, contre, rejeté. Le 108, qu'il présente, défendu. Monsieur le rapporteur, le 108. Défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Nous votons, qui est pour, contre, rejeté. Nous sommes sur l'article 4, avec pour l'instant un inscrit pour le groupe Rassemblement national, monsieur Tanguy.
Merci, Monsieur le Président. Écoutez, après l'article 1, l'article 2, l'article 4, vous avouez votre manque d'ambition. Non, l'article 3, il n'était pas concerné par ce que je vais dire. Vous affaiblissez la lutte contre les ingérences en multipliant les impasses. Vous définissez dans cet article 4, et vous avez raison, les ingérences avec une définition... sincèrement, qui est bien menée, qui est bien faite, qui couvre l'essentiel, pour ne pas dire la totalité, des menaces et des réalités d'ingérence qui frappent notre pays et nos partenaires. Mais pourquoi limitez-vous la définition de cette ingérence uniquement au délit que vous voulez couvrir avec le Code monétaire et financier pour geler des actifs? Là, ça n'a pas de sens. À partir du moment où vous commencez, et vous avez raison de le faire, à caractériser un délit d'ingérence dans un domaine, pourquoi ne l'avez-vous pas défini de manière générale, comme on le verra avec les amendements qu'on propose au Rassemblement national, un délit pour poursuivre et punir, le cas échéant, les Français, les personnes de nationalité française qui commettent un méfait d'ingérence pour une puissance étrangère, et un délit pour les étrangers qui, en France, mènent des ingérences étrangères contre les intérêts de notre pays. Et là, je ne comprends pas, voilà, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas faire les choses à moitié, et là, même moins qu'à moitié. Pourquoi n'allez-vous pas au bout de la logique? Pourquoi, sur une loi qui annonce aux Françaises et aux Français de lutter activement contre les ingérences, vous ne voulez pas définir l'ingérence comme un délit général qui couvre l'entièreté, en plus des domaines que vous définissez dans votre article 4? Donc ça n'a pas de sens. Vous définissez un délit d'ingérence qui est très large, qui ressemble plus, monsieur le rapporteur, à mon filet dérivant qu'à votre canne à pêche, mais vous ne le limitez à un seul domaine de répréhension et de lutte. Donc ça n'a pas de sens. Donc moi, j'aimerais avoir une réponse que vous n'avez pas donnée en commission des lois. Pourquoi limitez-vous votre propre volonté de combattre les ingérences en les limitant à un seul domaine, à savoir le Code monétaire et financier? Merci. Je n'ai pas d'autres inscrits sur cet article 4. Nous passons aux amendements. L'amendement de suppression de l'article, le 109, monsieur Lachaud. Oui, merci, monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement d'appel parce que, bien évidemment, que le gel des avoirs est une solution qui peut fonctionner. Mais encore faudrait-il que les moyens soient mis sur les conditions d'enquête, que l'on puisse déterminer précisément la manière dont cela va être mis en œuvre, que l'autorité judiciaire ne soit pas contournée. Bref, que c'est... que les éléments d'ingérence soient suffisamment précisés et définis pour que cela puisse être efficace. On a l'impression, avec cet article, de voir la démonstration de ce que l'on dit depuis le début, que ce texte de loi n'est pas à la hauteur des enjeux, qu'il ne permet pas de répondre à la question soulevée par l'ingérence, mais qu'il s'agit là d'essayer de colmater, d'écoper... une voie d'eau avec une pauvre cuillère, et nous avons l'impression que là que les moyens ne sont pas donnés pour que l'on puisse être réellement efficace dans cette lutte contre l'ingérence. Merci, monsieur le rapporteur. Défavorable, monsieur le ministre. Même avis, monsieur Boucard. Merci, monsieur le président. En réalité, ce que vient de dire M. Lachaud illustre tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure lors de mon explication sur la motion de rejet proposée par la France insoumise. Ici, la France insoumise pourrait proposer de modifier l'article 4, pourrait proposer de modifier les situations dans lesquelles le gel d'avoir pour ingérence étrangère est appliqué par l'État français. Là, une fois encore, la France insoumise propose de supprimer cette possibilité pour l'État français de geler les avoirs des puissances étrangères qui voudraient avoir une ingérence sur la souveraineté nationale française. Parce qu'en réalité, la chose est là, c'est que la France insoumise, je l'ai dit tout à l'heure, ne veut pas protéger les Français, elle ne veut pas soutenir les Français, elle ne veut pas protéger la sécurité des Français. Parce que la France insoumise a tout intérêt à voir notre système basculer, et on l'a vu dans tous les amendements qui ont été proposés aujourd'hui, s'il y a bien des ingérences étrangères qui sont permises dans ce pays, c'est celles qui profitent à la France insoumise. Merci, monsieur le député. Monsieur Tavel. Merci, monsieur le président. Peut-être que si le collègue avait fait l'effort d'écouter l'argumentation de mon collègue Lachaud, il n'aurait pas
tenu les mêmes propos. Ce que nous pointons très clairement, c'est le fait que ces actes d'ingérence ne sont pas suffisamment définis avec précision pour qu'on sache exactement comment cela peut s'appliquer. Et par ailleurs, permettez-moi de vous dire que venant de la part d'un député, membre d'un parti dont M. Fillon s'est particulièrement illustré dans les relais et dans les accointances avec des régimes étrangers, votre intervention ne manque pas de sel. Nous n'allons pas ouvrir d'autres débats. Merci. Nous allons voter sur le 109 immédiatement. Qui est pour ? Qui est pour le 109 ? Qui est contre ? Il est rejeté. L'amendement 164, monsieur le rapporteur. Non. Puisqu'on m'a enjoint à me trouver une définition et qu'on m'a déclaré que celle que je proposais était suffisamment était imprécise, eh bien j'en propose une nouvelle. Voici celle qui précise la définition d'ingérence au sens de l'article 4 et seulement pour la question de la définition du gel des avoirs, puisque je pense qu'au regard des finalités, on doit avoir une définition plus large. Est défini comme ingérence pour pratiquer le gel des avoirs, un agissement commis directement. Écoutez, parce qu'après vous me direz que vous n'aurez pas entendu. Un agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques. Voilà qui peut donner lieu ensuite à un gel des avoirs des personnes physiques ou morales qui pratiqueraient ce type d'intervention. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Sur cet article qui ouvre la possibilité de recourir à des mesures de gel, c'est une mesure qui a fait ses preuves en matière de terrorisme et je comprends parfaitement que le rapporteur y ait trouvé une source d'inspiration. La question qui demeure à ce stade, c'est de savoir si ce qui fonctionne en matière de prévention du terrorisme fonctionnerait aussi bien face à des comportements d'ingérence. Et à cet égard, il y a encore deux questions à laquelle il faudra apporter une réponse dans le cadre de la navette. Le champ d'application, à savoir les agissements qui pourraient justifier cette mesure de gel, et puis l'efficacité de la mesure dans un contexte où ces avoirs peuvent être par nature situés à l'étranger, ce qui pourrait les amener à échapper au gel. Donc en dépit de ces interrogations sur le dispositif en l'état, le gouvernement reste convaincu de la nécessité de renforcer les outils à sa disposition et soutient évidemment cet article, ça va de soi, mais donne un avis de sagesse sur l'amendement du rapporteur. Merci. Je n'ai pas de demande de prise de parole. Nous votons sur le 164 qui a reçu un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour ? Contre ? Il est adopté et il entraîne la chute des amendements 70, 142, 2 et je continue, 145 et 110 inclus. Voilà. Et nous sommes au 53 de Madame Ménard. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit avec cet amendement qui n'est pas tombé, donc c'est très bien parce que ça va pouvoir compléter encore un tout petit peu plus l'alinéa 3 de cet article 4 et clarifier encore davantage la définition de l'acte d'ingérence en considérant qu'un tiers agissant en vue de servir les intérêts d'un État étranger commet un acte d'ingérence. Et là, je pense, Monsieur le rapporteur, que vous allez me donner un avis favorable. Je vous remercie. Eh bien, monsieur le rapporteur. D'abord, je m'excuse auprès de Mme Youssoufa qui est semblée surprise qu'on rédige tout l'alinéa et donc que ces amendements tombent. Et c'est pour ça que l'amendement de complément de Mme Ménard demeure. En réalité, le fait de servir les intérêts d'une puissance étrangère est déjà couvert par le fait d'agir au nom et pour son compte. Et donc, je suis au regret de ne pas vous donner un avis favorable, mais je vous demanderai simplement le retrait puisque vous êtes satisfaite dans le principe de ce que vous proposez, Mme Ménard. Monsieur le ministre, même avis. Mme Ménard. Il est maintenu, on vote sur 53, qui est pour ? Contre ? Il est rejeté. On vote l'article 4, qui est pour ? Contre ? Il est adopté. Je vous informe que je lèverai à minuit, donc maintenant nous sommes sur les articles additionnels après l'article 4, et donc si vous voulez qu'on vote le texte, je vous laisse en tirer les conséquences. L'amendement 165 du rapporteur. Simplement, j'ai dit que les Outre-mer étaient particulièrement concernés, et c'est la raison pour laquelle je propose l'application du texte à la Nouvelle-Calédonie, aux îles de Wallis et Futuna et à la Polynésie française. Monsieur le ministre, même avis, pas de demande de prise de parole. Si, Madame Youssoufa. Non. C'est ça ? Pas de bon. Alors, nous votons sur le 165. Qui est pour ?
Contre. Il est adopté et il fait tomber l'amendement numéro 3, que j'enlève. Le 124 ORN, défendu, monsieur le rapporteur. Défavorable. Défavorable, monsieur le ministre. Même avis, on vote. Qui est pour ? Contre. Rejeté. Le 31, monsieur Tanguy. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, là, nous sommes vraiment au cœur des défaillances de votre proposition de loi. Vous refusez, vous annoncez, une fois de plus, à grand renfort de médias, une loi contre les ingérences. Mais alors que les auditions de la commission d'enquête ont montré qu'il y avait une zone grise contre laquelle les codes, notamment le code pénal aujourd'hui, étaient impuissants pour lutter contre les ingérences, vous refusez de caractériser un délit d'ingérence. Délit que vous, pourtant, vous avez défini, on l'a vu à l'article 4, d'ailleurs j'ai pas eu de réponse à mes observations. La question est telle, monsieur le rapporteur, aujourd'hui, par exemple, le secrétaire général à la Défense nationale nous indique que la législation est obsolète pour lutter contre les ingérences. Nous avons d'un côté dans le code pénal des dispositions d'intelligence avec l'ennemi qui ont été écrites pour faire face à des conflits conventionnels avec des puissances installées, et donc une intelligence avec l'ennemi qui relève de l'espionnage et de la haute trahison qui ne permettent pas de lutter contre la zone grise de l'ingérence, évidemment. D'un autre côté, vous avez des autorités judiciaires qui essaient de se battre en caractérisant de la corruption, du trafic d'influence. Bref, ils tournent autour de la question, mais ils n'arrivent pas, car ils ne peuvent pas lutter correctement contre l'ingérence parce que ces deux infractions sont très dures à caractériser pour le sujet qui nous intéresse. Donc, le Rassemblement national vous propose tout simplement de caractériser, de créer un délit d'ingérence, délit d'ingérence qui reprend la proposition essentiellement que vous avez faite dans l'article 4. Donc, la question qui est incompréhensible ce soir, comme c'était le cas en commission des lois, monsieur le rapporteur, c'est pourquoi les membres de la majorité ne veulent pas créer un délit d'ingérence. Tout simplement, ça n'a aucun sens. Si vous voulez lutter contre les ingérences, il faut bien donner à nos services un moyen légal, une base légale pour le faire. Or, vous refusez de le faire. Ça ne peut qu'interroger sur la sincérité de votre action aujourd'hui. Monsieur le rapporteur. Monsieur Tanguy, je vous ai donné 3 bons arguments en commission que je vais répéter ici pour ne pas satisfaire à votre demande. D'abord, j'ai dit au départ que nous avions pour étude d'impact le rapport de la commission d'enquête qui a été commis par Madame Constance Le Grip. Et dans ce rapport, il est vrai que la commission d'enquête relève qu'il n'existe pas d'infraction visant les ingérences étrangères. Mais il précise toutefois que le code pénal définit un certain nombre d'infractions susceptibles d'avoir directement trait à l'ingérence d'une puissance étrangère, comme la trahison, l'espionnage ou encore les différentes atteintes à la défense nationale. Et ça, c'est exception faite de toutes les dispositions sur la probité qui figurent dans d'autres dispositions. Ensuite, vous opérez une distinction entre français et étranger qui n'est pas cohérente et n'est pas pertinente. D'abord parce que le propre de l'ingérence étrangère, c'est qu'elle est menée pour le compte d'une puissance étrangère, peu importe que la personne qui la conduise, elle soit ou non française ou étrangère. Et donc, de ce point de vue-là, votre dispositif, il n'est pas cohérent. Et puis ensuite, j'avais cité quelques exemples pour vous montrer que tout ce champ est couvert. J'avais cité notamment le fait que lorsque l'on entretient des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise, une organisation ou sous contrôle étranger, avec leurs agents, et que c'est possible à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, alors on a une peine qui s'applique pour 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. C'est l'article 411-5 du Code pénal. J'ai attiré votre attention aussi sur le fait, et ça c'est l'effet de la LOPMI que nous avons étudié pas plus tard qu'en novembre 2022, que nous avons créé une infraction pour les cyberattaques sanctionnées à hauteur de 10 ans de prison, 300 000 euros d'amende lorsqu'elles sont en bande organisée, l'article 323-4-1 du Code pénal, lorsqu'elles mettent en danger la vie d'autrui, article 323-4-2 du Code pénal, ou encore la fraude électorale qui est punie à l'article L116 du Code électoral, amende de 15 000 euros et d'emprisonnement d'un an. Vous voyez qu'en fait, on a tout un registre de sanctions pénales. Et longtemps, on a étudié à la Commission des lois un accroissement, presque une stratégie de grossissement du code pénal dont on sait qu'il est déjà garni, qui prévoit un certain nombre d'infractions, qui les précise, qui se spécialise. Là, ce que nous voulons faire, ce n'est pas créer une nouvelle infraction, c'est créer des outils à disposition des services, des outils qui permettent de répondre précisément à ce que nous attendons, avec une logique très claire, celle de dire que la représentation nationale et à travers elle, l'ensemble de la population française doit connaître les menaces qui pèsent sur elle.
Ensuite, que les influences qui pèsent sur la France doivent également faire l'objet d'une restriction, d'une contrainte. C'est le registre des représentants d'intérêts que nous avons voté à l'article 1er. Et enfin, des outils qui sont des mesures administratives qui déplaisent par ailleurs parfois à nos collègues, notamment de la France insoumise, parce qu'ils s'astreignent du juge judiciaire et parce que, précisément, ils viennent s'appliquer sans l'intervention du juge, avec une acuité, une précision et une rapidité, une promptitude qui est extrêmement forte. Et donc, il ne s'agit pas ici de compléter, d'ajouter ou de faire enfler le code pénal, mais bien d'être pleinement efficace contre les menaces qui pèsent contre la France. Avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Tanguy. Merci, monsieur le président. Écoutez, monsieur le rapporteur, vous avez répété ce que j'ai dit dans la défense de mon amendement. Je sais bien que le code pénal prévoit un certain nombre de choses, c'est ce que je vous ai dit. Mais les peines sont trop lourdes. Je reprends les mots de Stéphane Bouillon, donc, qui est en charge du secrétaire général à la défense nationale. Il le dit, donc parlant de l'article 414, tout cela, je le cite, date du XXe siècle. Une réflexion existe sur une meilleure proportion des sanctions. En effet, peut-être la dureté de la sanction encourue dissuade-t-elle le parquet de poursuivre et le juge d'instruction de procéder à des mises en examen. Donc c'est pas moi qui l'invente, et je ne dis pas ça par plaisir. Je vous dis, vous avez cité un certain nombre de choses. Vous voyez bien que c'est partiel et que c'est incomplet. Et que surtout, ça ne correspond pas à la situation qui est décrite par nos services de renseignement, par tout un tas de choses et de discussions. Je ne comprends même pas pourquoi, en fait, à moins peut-être que le problème, d'ailleurs, vous l'avez un peu dit en commission des lois, parce que ça vient du Rassemblement national et que ça vous pose problème. Mais vous-même, vous n'avez qu'à déposer. Mais il n'y a pas de problème, vous savez. Moi, je suis de bonne composition, parfois, et on peut progresser ensemble. Si vous voulez déposer, comme vous l'avez fait sur les autres remarques qu'on avait fait en commission des lois et que vous avez reprises avec bienveillance à votre nom, vous pouvez redéfinir le délit d'ingérence. D'ailleurs, je me suis inspiré de vous. Cette fois, c'est vous qui avez les droits d'auteur, puisque j'ai repris la définition que vous avez mise à l'article 4 sur le code monétaire et financier. Donc vous n'êtes pas cohérent. Pourquoi avez-vous eu besoin, si les codes... Vous pourrez reprendre la parole, monsieur le rapporteur. Si les codes vous donnaient tout ce qu'il fallait, pourquoi avez-vous défini un délit d'ingérence pour le code monétaire et financier et vous ne le définissez pas pour les autres infractions? Ça n'a pas de sens. Et le meilleur exemple, monsieur le rapporteur, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de poursuite contre les ingérences étrangères à la hauteur des menaces que vous dites. Donc soit elles n'existent pas, soit c'est qu'en fait, le délit n'est pas caractérisé et l'autorité judiciaire ne peut pas poursuivre. Donc je ne vois pas en fait pourquoi vous refusez cette discussion en tournant autour du pot. Il y a un vrai problème là-dessus. Et enfin, je finirai, oui, il y a une différence entre un national qui trahit la France et un étranger qui mène des opérations contre nous. C'est beaucoup plus grave de trahir sa patrie que de servir, quand on est français, que quand on est un étranger, servir des intérêts étrangers. Ça n'a rien à voir, et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, dans le code pénal, il y a bien le délit de haute trahison. La haute trahison, ça ne concerne pas un étranger qui fait de l'ingérence ou même de l'espionnage en France. Merci, pour un État étranger. Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Précisément, monsieur Tanguy, je ne suis pas convaincu, et c'est pour ça que je vous donne un avis défavorable, pas parce que vous êtes du Rassemblement national, bien que ça puisse motiver un avis défavorable de ma part, mais je ne suis pas convaincu par le fait qu'il faille créer un délit d'ingérence. Et précisément parce que pour l'influence, nous avons un délit lorsque la personne ne se déclare pas au registre, donc ça c'est couvert, et on a déjà de quoi écarter toutes les personnes qui sont malveillantes, et que pour le reste, ce sont des mesures administratives, pas des mesures de police judiciaire. Donc ce ne sont pas des mesures du code pénal. D'ailleurs, c'est pour ça que M. Lachaud est très mécontent de toutes ces mesures, parce qu'il considère qu'on devrait passer par le juge pénal. Peut-être qu'en soi, vous vous rejoignez. Mais en l'état, je pense que c'est la police administrative qu'il faut mobiliser pour être pleinement efficace dans la situation. Et donc, au fond, je suis en désaccord avec ce que vous proposez. C'est gentil. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons voter sur l'amendement 31, qui a son avis défavorable, qui est pour, contre, rejeté. Le 30, défendu, monsieur le rapporteur. Défavorable, monsieur le ministre. Même avis. Nous votons. Qui est pour, contre, rejeté. Le 126 n'est pas défendu. Le 4, monsieur Gouffier-Valente, vous voulez le défendre? Il est défendu, monsieur le rapporteur. C'est bon, il est satisfait par l'amendement que je voudrais adopter, donc retrait ou défavorable? Retrait ou défavorable, monsieur le ministre, même avis. Retiré. Le 35, monsieur Tanguy. Merci, monsieur le président. Bien. Écoutez, c'est un amendement d'appel, puisque nos amendements visant à lutter contre la corruption ont été jugés irrecevables pour des raisons qui concernent le rapporteur, moi évidemment, la présidente, pardon, moi évidemment, je ne me satisfais pas de dire que c'est cavalier, parce que faire une loi contre les ingérences sans avoir parlé une seule fois de la lutte contre la corruption, c'est une plaisanterie. Évidemment, la corruption
notamment des élites, est évidemment le point d'entrée principal des tentatives ou des réalités de l'ingérence en France. Donc ne pas vouloir en faire un sujet dans cette loi prouve bien que vous n'allez lutter contre rien. Il y a des graves problèmes de corruption en France. Et j'ajoute malheureusement que la corruption, contrairement à ce que l'on peut croire en se faisant plaisir, s'aggrave dans notre pays et que la France est très mal classée dans la lutte contre la corruption. Nous avons auditionné M. Duchesne, le directeur de l'Agence anticorruption française. Il nous a fait part de choses extrêmement inquiétantes, notamment du développement de la corruption à l'échelle des collectivités locales et du désarmement. En armant fortement le PNF, vous avez désarmé l'autorité judiciaire locale. Donc il y a un grave problème de corruption à tous les échelles de la société. D'ailleurs, le poisson pourrit toujours par la tête, je l'ai dit en discussion générale. À partir du moment où un ancien président de la République, comme M. Sarkozy, peut se faire payer des conférences par les Émirats du Golfe ou par le régime de M. Poutine pour des défendre tout et n'importe quoi, alors qu'il a eu à connaître des dossiers les plus importants de notre République, c'est totalement scandaleux. Quand vous avez un ancien ministre des Relations avec le Parlement, comme Jean-Marie Le Guen, qui est au conseil d'administration de Huawei, alors que tout le monde sait que Huawei n'est pas une entreprise comme une autre, mais le bras armé du régime pékinois, on est dans le délire total. Donc vous refusez, mais ça je n'ai pas la preuve de le dire, alors que M. Le Guen, j'ai la preuve. Il n'est pas possible aujourd'hui de ne pas vouloir de faire l'impasse sur la corruption. Donc la réalité, c'est que vous semblez gêné de vouloir parler de la corruption, aussi bien en commission que dans cet hémicycle. Et bien au Rassemblement National, on n'a pas peur de mettre le sujet sur la table, et donc il faut lutter activement contre la corruption, et vous ne voulez pas le faire. Monsieur le rapporteur. Moi, je suis gêné de rien, d'autant plus que je ne juge pas de la recevabilité des amendements en séance. Mais si vous voulez me confier ce pouvoir, je le prends bien volontiers. C'est la présidente de l'Assemblée qui juge la recevabilité des amendements pour la séance. Ça n'est pas mon cas. Et donc, vos amendements ont été déclarés recevables à ce titre. Du reste, sur la corruption, vous avez établi dans la commission d'enquête ce qui relève de la corruption. Et quant à le chiffre que vous décrivez, moi j'ai sous les yeux le rapport de Transparency International France. On ne peut pas accuser de corruption pour le coup, puisqu'il s'agit d'établir la position de la France. Et la France figure, je lis, à la 21e position, c'est-à-dire dans le classement de tête des pays qui sont dans la lutte anticorruption les mieux classés. Et donc ce que vous dites est particulièrement faux. Alors, au fond, manifestement, je ne suis pas d'accord avec votre amendement. Quant à la demande de rapport, par principe, la commission des lois y est toujours défavorable. Merci, monsieur le ministre. Même avis. Nous passons, monsieur Tanguy. Et oui, chers collègues, vous allez souffrir qu'on parle de la corruption plus de 2 minutes dans cet hémicycle. Vous ne répondez pas, monsieur Houllier. Si mes amendements ont été déclarés irrecevables, c'est parce que vous avez choisi de ne pas en parler dans votre loi. Si vous en avez parlé dans votre loi, nous aurions pu l'améliorer. Vous faites croire aux Français que vous luttez contre les ingérences. Vous ne pouvez pas lutter contre les ingérences en ne luttant pas contre la corruption. Vous avez refusé de prévoir des dispositifs pour prévenir la corruption des élites les plus importantes de notre pays. Pourquoi n'interdisez-vous pas définitivement aux anciens présidents de la République d'être payés par des intérêts étrangers? Pourquoi n'interdisez-vous pas définitivement aux anciens premiers ministres d'être rémunérés par des intérêts étrangers? Pourquoi n'interdisez-vous pas aux ministres de la Défense, ministres des Affaires étrangères, ministres de l'Intérieur, ministres des Relations avec le Parlement, qui ont tant de pouvoir pendant leur mandat, de ne pas être payés par des intérêts étrangers? Tout cela est très simple à interdire, tout cela est du bon sens. Aucune Française, aucun Français ne comprend que vous n'interdisiez pas de telles pratiques qui sont révoltantes, qui sont insupportables. Le général de Gaulle avait prévu de mettre les anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel pour une bonne raison, c'était évidemment pour que cette situation n'arrive jamais. Donc vous avez refusé dans votre loi de parler de la corruption, c'est pour ça que ces amendements ont été jugés irrecevables, et pour aucune autre raison, et c'est pas en braillant que vous allez me faire taire, il se pourrait même que j'en reparle. Monsieur le rapporteur. Simplement, monsieur Tanguy, relisez l'article 1er. Pour ce qui concerne les élus ou les anciens élus qui agissent pour le compte d'une puissance étrangère, ils doivent s'inscrire au registre. Sinon, ils se verront appliquer des sanctions pénales. Tout ce que vous demandez est déjà satisfait. Nous passons au vote sur le 35, car c'est un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Rejeté? Alors, Madame Pic était collé à Monsieur Tanguy, enfin l'amendement de Madame Pic était collé à celui de Monsieur Tanguy, donc je l'avais manqué. Donc Madame Pic, je vous donne la parole pour défendre le 23. Il est défendu. Monsieur le rapporteur, défavorable. Monsieur le ministre, défavorable. Nous votons le 23. Qui est pour? Contre? Rejeté. Je vous avais prévenu sur minuit, donc il n'y aura pas de surprise. Le 47, Monsieur Amiel. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement visait à porter l'attention sur les ingérences étrangères suscitées
par les réseaux sociaux et notamment les soupçons qui pèsent sur le réseau social TikTok. Le gouvernement a, l'année dernière, demandé l'interdiction de l'usage de TikTok et des applications récréatives sur les téléphones professionnels des agents publics. Le mois dernier, en raison de soupçons d'opérations de manipulation de l'information et d'espionnage, la Chambre des représentants aux États-Unis a voté une proposition de loi imposant à TikTok d'être cédé à un autre opérateur non chinois sous peine d'interdiction. La Commission européenne elle-même a ouvert une enquête contre TikTok pour ses manquements à la protection des mineurs et les menaces que font peser ce type de réseau sur notre jeunesse, que ce soit au titre de la manipulation de l'information ou au titre pour l'ensemble des citoyens français du cyberespionnage, sont particulièrement préoccupants, notamment vu les liens opaques entretenus entre TikTok et le pouvoir chinois. Aussi, je crois que nous devons affronter ces questions sans naïveté et à l'image du débat qui a lieu aux États-Unis, toutes les options doivent pouvoir être mises sur la table. Cet amendement demande donc au gouvernement un rapport informant précisément le Parlement sur l'état des menaces que font peser TikTok et les autres réseaux sociaux afin de permettre à notre Assemblée de légiférer en ayant pleine connaissance de cause. Monsieur le rapporteur. Le type d'ingérence qui est issue des réseaux sociaux, elle est couverte par les ingérences qui font l'objet du rapport à l'article 2 tous les deux ans et qui font l'objet d'un débat au Parlement. Et donc, comme vous êtes satisfait, je vous demanderai le retrait de votre amendement. Monsieur le ministre, même avis, retiré. Le 54, Madame Ménard. Merci, Monsieur le Président. Je vais aller vite, mais je voudrais quand même présenter cet amendement parce qu'il traite d'un sujet qui n'a pas été abordé encore, sur la question de la binationalité. On en a parlé un tout petit peu en commission, mais ça avait suscité des débats un peu de mauvaise foi d'ailleurs. Cette question est d'autant plus importante lorsque les ressortissants binationaux sont des élus ou des membres de l'exécutif, par exemple. Et dès lors, je pose la question, est-ce que cette proposition de loi peut laisser penser qu'avec elle, les députés ou les parlementaires ou les ministres, pour ne citer qu'eux, pourraient demain être suspectés d'ingérence étrangère en France s'ils sont des binationaux. Plus clairement encore, est-ce que cette proposition de loi impliquerait d'interdire aux binationaux de briguer des mandats électifs ou encore d'être membre d'un exécutif en France? Et c'est pour répondre à ces questions qu'il me semble absolument nécessaire de demander un rapport sur cette question spécifique de la binationalité pour écarter toute ambiguïté à ce sujet. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Je comprends que vous posiez la question, mais si vous me permettez, Madame Ménard, la question est vite répondue. C'est non. C'est que la question de l'influence ou de l'ingérence, elle est étrangère à la nationalité de la personne qui l'exerce. C'est-à-dire que vous soyez français, que vous soyez étranger ou que vous soyez binational, si vous agissez pour le compte ou au nom d'une puissance étrangère, alors vous entrez dans le registre ou alors vous vous exposez, si vous pratiquez l'ingérence, aux dispositions des articles 3 et 4. En revanche, si vous êtes un binational et que vous exercez une fonction publique, si vous avez sollicité un mandat électif, alors vous n'êtes pas concerné dès lors que vous n'entrez pas dans le champ des catégories qui agissent pour le compte d'une puissance étrangère. Donc vous êtes satisfaite et la question est répondue par rapport à ce que vous avez posé comme amendement. C'est une référence, Monsieur Boucard. Une référence. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, même avis, Madame Ménard, il est maintenu. Il est maintenu, nous votons sur le 54, qui est pour, contre, rejeté. Je vais vous indiquer que la conférence des présidents a prévu pour les semaines de l'Assemblée un partage du temps entre l'ordre du jour proposé par le groupe Renaissance et l'ordre du jour transpartisan, et ce partage impliquant le respect strict des horaires de séance prévus à l'article 50 du règlement. Je suis donc tenu de lever la séance à minuit. Il est moins 2, donc à moins que M. Tanguy, vous pensiez pouvoir faire un débat en 2 minutes, présenter votre amendement, avis du rapporteur-président ? Non ? Alors, prochaine séance, demain à 14h, question au gouvernement. À 15h, suite de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile, la séance est levée.